Bon, j'ai rien planifié. J'ai niqué la cam là, attends. Hein? Alors, je saurais pas te dire d'où ça vient, Roux. En fait, j'ai cherché des musiques libres de droit sur Internet et je suis tombé là-dessus. Je suis tombé sur une liste d'une une bonne centaine de musiques et j'ai fait mon tri après en avoir écouté 50 plus que pas terrible. Donc, c'est comme ça que ça arrivait. Hop là. Voilà. On met bien le chapeau, on règle la saturation de l'image qui est vraiment pas top là, mais bon, on n'a pas trop le choix. Contraste, la luminosité, ça va aller. J'avais réglé la caméra, comment j'ai fait pour la dérégler? Alors, en termes de... Hop. Ah putain. Voilà, regarde. Un petit zoom. Voilà, comme ça c'est parfait. On l'actualise pour qu'elle arrête de faire ça. Et maintenant c'est fluide. J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs fonda. J'en ai quatre maintenant des trucs d'accueil Power. C'est pour varier un peu les plaisirs. Mais t'inquiète, j'ai toujours Gojo avec la musique d'avant, même si je vais devoir la changer, puisque elle était libre de droit, elle l'est plus. Du coup, dès que je fais une vidéo et que je la pose sur YouTube, je suis obligé d'attendre. Alors, pour vous donner une idée, en général, quand je poste une vidéo sur la chaîne VOD, je suis obligé d'attendre 8 à 9 heures, parce que la vidéo, elle est uploadée, elle déconne un peu. Ensuite, il faut que j'aille au montage de la vidéo. Ça me prend à peu près une demi-heure, tu vois. Et en général, la VOD, je fais rarement plus de 15 vues. Donc, ça me fait un peu chier de passer une demi-heure, trois quarts d'heure pour 15 vues. Donc, c'est un peu relou. Bah, je sais pas, j'imagine que quelqu'un a acheté les droits. C'est aussi simple que ça. Tu sais, s'il y a un truc qui était libre de droit et qu'il l'est plus, c'est parce que le propriétaire a dit que c'était plus libre. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, écoutez. Journée tranquillou avec un chapitre de MHA que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc là, ce soir, le planning. Attends, je me mets bien, voilà. Là, ce soir, le planning, on va parler un peu de tout. Et puis, quand Tita arrivera ou quand d'autres arriveront, on partira faire un Dead by Delight en espérant que ça marche mieux. Alors, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant parce que je vous avais rappelé. J'avais ce PC portable là. Hop là. Celui qui est ici et où je me vois en retard. Salut Marco! Voilà. Alors, on va pouvoir lever la main avec quelques secondes de retard. Et donc, regarde. Salut Marco, voilà, je me vois. Et du coup, le truc, c'est que ce PC-là, il y a un problème avec le protocole qui permet de passer cet écran-là sur l'autre PC, qui me permet de le faire, de jouer de façon fluide et avec des bons paramétrages. Et le souci, c'est qu'il y a une option qui empêche ça, et je n'arrive pas à l'enlever. Je n'arrive pas à l'enlever. Donc ça fait... J'ai passé plus de 8 heures dessus à essayer de l'enlever sans succès. Donc c'est un peu relou. Ah merci Skyfiric, c'est super gentil de ta part pour les abonnements offerts. Attends, pourquoi j'ai pas le son? Voilà. Eh, je précise un truc dont je me suis rendu compte. Alors je tiens à préciser. Donc bisous pour Sky. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai été voir un petit peu les options de comment ça marche. Sur. Eh ben, il a raison d'offrir. D'avoir les abonnements. d'offrir les abonnements, c'est très bien. Mais je me suis aperçu d'un truc en regardant un peu les paramètres Twitch, alors je tiens à le dire. C'est que le ratio d'argent qui est. Que je reçois est plus important pour les abonnements de niveau supérieur. Genre, je vais gagner 60% de ce que vous me donnez avec l'abonnement niveau 1. Et c'est 10% en plus par niveau. C'est-à-dire que par exemple, si vous donnez, je veux dire une connexion, c'est pas ça, mais en gros, vous me donnez 4 euros d'abonnement, j'en touche 2. Si vous montez à 8 à 8 euros pour l'abonnement niveau 2, en fait, j'en touche pas 4, j'en touche 5. Et si vous donnez 12 euros, eh ben, j'en touche pas 8, j'en touche 10. C'est assez bizarre comment c'est fait. Mais du coup, si vous avez envie de me donner de l'argent, c'est mieux de donner un abonnement niveau 3 que d'offrir 3 abonnements, quoi. Oh, sub, t'as de la marge. Salut Leito, salut tout le monde. 200 subs avant la fin de l'année. Ouais, ça me va comme mission, tu vois. Ça me va. Donc, j'espère que ça va, vous. Je vous dis, le chapitre de MHA, j'ai trouvé vraiment stylé. Après, il y a juste un truc qui me dérange avec ça, c'est que j'ai l'impression que Shigaraki est juste intouchable. Je vois pas... vu les pouvoirs qu'a Star... J'ai du mal à imaginer Midoriya avec ses petits points être capable de faire quoi que ce soit pour l'éliminer. C'est...
Là, j'avoue que ça me dépassera un peu, quoi. Moi, c'est pas que ça me sort de l'histoire, c'est que je me dis comment il va faire pour comment il va faire pour s'en sortir. C'est surtout ça, tu vois, je me dis, mais comment c'est possible de gagner, quoi? Je suis invité à zéro truc événement, Océane. Hein. Je suis même pas invité. Dis-toi, là, il y a la Paris Manga qui a lieu ce week-end. Ils ont invité, il y a des gens qui ont des. Qui ont carrément des. Qui ont été invités, qui sont carrément mis en avant sur la Paris Manga, qui ont 150 pélos d'abonnés. Et moi, j'ai demandé si je pouvais venir, si on pouvait m'offrir une place au moins. Et les mecs m'ont rien, m'ont même pas répondu, tu vois. Donc j'ai trouvé ça, ça pas super cool. Merci Leto pour ton abonnement, bisous à toi. Ah, c'est bien Mitsu. C'est vraiment abusé les versions collector, les éditions spéciales et tout. En fait, si tu veux, moi, je peux comprendre hein, que tu peux pas non plus fournir des éditions collector à foison. Mais moi, pour moi, à partir du moment où il y a de la demande, tu devrais continuer à en fournir. Mais genre, la limiter dans le temps. Et en fait, moi, je serais eux, je ferais des versions collector qui sont limitées sur une période de fabrication et pas sur un. Comment dire, pas sur un nombre. Genre, je dis pas, il y a 25 000 éditions collector, allez, battez-vous tous pour les avoir. Je dirais, il y en aura pour tout le monde tant que vous les commandez à l'avance, mais par contre, dans 3 mois, on arrête les commandes et c'est fini, on n'en vendra plus jamais. Comme ça laisserait le temps à tous ceux qui en ont envie d'en acheter une. Sans qu'il y ait de la surenchère derrière, trucs comme ça. Et ça leur rapporterait plus d'argent en plus. Parce que quand tu vois, je vais donner un truc con, mais tu prends les collecteurs de tomes de manga par exemple, tu vois. Je vais dire une connerie, mais les tomes de SNK, le tome 34 de SNK en version collector, 3 heures après son annonce, il n'y en avait plus un seul en stock. Plus un Ça seul. dépend où. Ouais, ça dépend où toi tu truandes. Mais la plupart du temps, il n'y en avait pas. Et je me dis que si laissait les gens commander, et après, au pire, tu dis, bah, faut les fournir, donc on vous le fournira que dans 1 mois et demi, mais c'est pas grave. Mais je trouverais ça normal. Et puis, au bout d'un moment, pour que ça reste quelque chose de collector et d'assez exceptionnel, et ben, au bout de. Je dis, 1 mois après la sortie, tu dis, bah, maintenant, on arrête d'en produire, donc vous ne pouvez plus les précommander. Mais ils en vendraient tellement plus en faisant ça. Et en plus, ils niqueraient tout le marché de ces gros pourris qui les vendent à 30 €, 40 € sur d'autres sites. Ça me tue, moi, ça. Ça, c'est dégueulasse. Ouais, non, c'est vraiment des trucs de pute, ça. Moi, je comprends pas. Et puis, des fois, les mecs, ils sont tout fiers sur Twitter. Hein. Genre, tu regardes sur Twitter, tu vois des mecs, ils sont là, ils font « Ah oh là là, j'ai acheté 30 tomes collector de MHA, youloulou! » Et je fais « Putain, mec, tu mériterais ma main dans ta gueule, quoi. Bah, t'avais pareil avec le tome collector de One Piece 98, 99 et 100. C'est-à-dire que tu l'achetais 10 balles et sur le bon coin juste derrière, il était à 100 balles, quoi. » Ah oui, bah c'est ça. Bah regarde, bah, à la maison, on a voulu acheter le tome 34. Et tu sais, tu peux dire sur les sites de vente que tu recherches un truc en particulier. Et on a été contacté par un mec pour le tome 33 de SNK. Et le gars nous a dit, le mec, ça fait genre 3 mois que le tome 33, il l'a en vente à 50 € sur le site. Et le gars, il m'a dit, ouais, je suis prêt à vous le faire à 30 €. Et j'ai fait, mec, tu prends ma main entière et tu te l'enfonces profondément dans l'anus. Je paye pas 30 € pour un truc que t'as payé 6 €, gars. Je dis à la rigueur, je te file 5 €, je te file 3 € de prix, mais je te l'achète à 10 €, mais tu m'auras pas plus, quoi. Si tu veux entuber des gens, tu les trouves ailleurs, hein. Je trouve ça ignoble, mais c'est pareil sur Voilà. les trucs Yu-Gi-Oh! Les cartes Pareil, des Pokémon! figurines. Les cartes Ah, carte Pokémon! Pokémon aussi. Ah, attends, c'est ouf, hein. Les cartes Pokémon, là, sur des. Y a des les, ils disent même plus quand ils sont fournis, pour éviter justement que les gens viennent exprès pour ça. Et à un moment Ah donné, ouais. t'avais un mec, il avait mis sur Twitter qu'il était super heureux parce que il avait acheté. Tout le truc, genre, il y avait genre 20 caisses, tu sais, les trucs avec à chaque fois 20 boosters dedans. Il en avait acheté 20 de 20 boosters. Et quand il est arrivé en caisse, il y avait deux gamins qui sont rentrés en pleurant parce que bah, ils étaient venus exprès pour ça, mais ils n'étaient pas là à l'ouverture même. Ils sont arrivés 5 minutes après l'ouverture. Et le papa a dit, ouais, est-ce que vous pourriez nous en laisser un pour mes deux enfants? Et le mec a dit non. Il a dit non, je garde les 20. Non mais tu vois ce genre de mec c'est faut les foutre en tôle quoi. Et toi dans ma boutique à côté de chez moi justement ils limitent aux gens. C'est genre des trucs comme ça, t'en prends un ou deux. Le tome 34 c'est parce qu'il y a eu une couille et le mec il m'en a mis un deuxième de côté. Bien joué ça. Bien joué. Après je suis quand même un habitué, c'est-à-dire que Ouais. je claque une certaine quantité Ouais de ouais bah produits tu chez eux depuis des années. disons que il sait que tu t'amuses pas à en acheter 40 et à les revendre tout le temps quoi.
Alors, c'est autorisé en France de faire de la revente comme ça. Alors, en fait, le problème d'Horticus, c'est que c'est très nébuleux. Ça veut dire que, par exemple, pour les tomes de manga, c'est interdit. Parce que les tomes de manga, c'est considéré comme la culture. La culture. Voilà, de la culture, c'est considéré comme de la culture. Et la culture, tu n'as pas le droit de le vendre plus cher que son prix d'achat. Donc, légalement, tu devrais pouvoir punir tous les gens qui vendent des tomes de SNK. À ne serait-ce que 50 centimes au-dessus du prix d'achat. En revanche, il n'y a rien qui empêche ça si tu achètes l'édition collector d'Elder Ring, si tu achètes des cartes Pokémon, parce que c'est pas considéré comme de la culture. Donc là, tu peux faire un prix de ouf, quoi. Et je sais, j'en avais déjà parlé, mais à un moment donné, quand je cherchais à acheter les Yoshi en peluche, tu sais, les petits Amiibo Yoshi. Il y en avait un vert, un rose, un bleu. Bah, il y en a un que j'avais pas réussi à avoir tout de suite, et je l'ai cherché un peu sur le net, et j'ai trouvé des mecs qui t'expliquaient, en fait. Ils savent à quelle date Nintendo fournissait la France en Amiibo, et en fait, les gars, ils avaient un parcours de magasin dans Paris, et ils disaient genre à 9h et à 8h, il y a cette boutique-là qui ouvre dans Paris, une demi-heure après, il y a cette boutique-là qui couvre juste à côté, et le gars, il dit, je passe une demi-journée à acheter tous les Amiibo spéciaux, tu sais, genre bah, les Amiibo en laine de Yoshi, il dit, je passe de 8h à 11h, je fais ça, de 8h à midi, je fais ça. J'en achète une quarantaine, une cinquantaine pour 15 euros, je crois qu'ils sont. Et il dit, je peux les revendre à 30 euros l'unité, quoi. Il n'y a pas de souci, ça repart. 30, 40, 45 euros. Il dit, pendant les 2 premiers jours, je les mets à 45 euros, j'en revends plein. Et il m'en reste la moitié sur les bras, je le mets à 30 euros le lendemain. Et en général, ils sont tous partis. Surtout que ta fille est fan de Yoshi. Ouais. Après, à un moment donné, j'ai eu de la chance parce que Nintendo a décidé de les ressortir. Les anciens Amiibo. Du coup, je crois que c'était le bleu qui me manquait et bah, je l'ai acheté à ce moment-là, quoi. Les hentai, c'est considéré comme de la culture, du coup. Ouais, c'est de la culture. Avec un grand cul, ouais. Bon, du coup, j'ai demandé à Mehdi pour jouer ce soir, mais il n'a pas répondu. Je sais pas s'il y a rien est dispo. En fait, je vais vous avoir chacun votre tour. Ah. Je les aurai pas en même temps. Ouais, la semaine dernière on a parlé, mais j'avais la crève et je pouvais pas me permettre de rester. Bon, Le taf, c'est un peu le feu en ce moment. j'espère que le PC va pas trop chauffer avec ce que j'ai fait là. Demande à Mesto. Non, je voudrais gagner en fait. Donc on va éviter. Ouais, DBD. Je voudrais gagner, donc on va éviter de demander à Mesto, quoi. C'est un Ah, peu du coup, là. De quoi? on peut parler de MHA sans spoil là ici. Enfin, en spoilant, on s'en Ah fout. ouais, bah tu peux là. Mais toi, tu es pas à jour? Ou ça y est? Ah si, je suis à jour. Toujours pareil, hein. J'ai arrêté l'animé au festival, ça m'a saoulé. Et t'as Parce que là, raison. le gentleman et tout ça, je sais pas ce qui se passe après. C'est pas grave, honnêtement, tu n'as rien raté. Si tu J'ai veux, si tu veux, repris je un te petit peu avant les dis, 9 ans. si tu veux, je peux te dire, il a été envoyé en prison. Point. Il y a rien de spécial. Il sait rien. Il a absolument rien influencé dans toute l'histoire de MHA. Il est venu. Il a voulu prank Yue. Il a été mis en prison, arrêté par Midoriya. Prison, c'est tout. Et il y a que Midoriya qui a participé au combat. Donc c'est bon. Mais là, ouais, je suis à jouer avec Star et tout. Ouais. Je trouve ça dégueulasse. J'aime pas le chemin que ça prend. Ouais, Shigaraki un peu trop overcheaté, quoi. Ouais, mais inutilement. C'est-à-dire que le mec, il a la moitié du corps en flambeau, en train de flamber et détruit. Ah, il y a Et carrément des Yolo, il peut os. quand même sauter. On voit carrément les os du mec, quoi. Et je vois pas en quoi il a Rien que influencé des coups, mais vas-y, dis-moi. la douleur devrait faire en sorte qu'il puisse pas sauter à Yolo à 20 mètres de haut, quoi. C'est Midoriya l'antagoniste, mais attends, dans l'idée, il veut infiltrer l'école alors que c'est pas légal. Je veux dire, Midoriya, c'est qu'un vigile qui interdit l'accès à quelqu'un qui n'a pas droit. Ouais, mais C'est mec, pas c'est vraiment un ancien. l'antagoniste. Et puis en plus, il n'est pas gentil. C'est pas, je veux dire, enfin, c'est pas non plus méchant ce que fait machin, mais il est quand même dans l'illégalité. C'est comme si demain les flics me disaient, ouais, bon bah tu roulais à 150 sur une route limitée à 130, mais c'est pas méchant, t'as tué personne, donc je te laisse libre. Ça fait pas des policiers les méchants, tu vois. Ouais, j'avoue que l'excuse de Shigaraki qui a creusé un trou pour éviter les dégâts, c'est un peu Pour abusé. éviter les dégâts. Le mec, son corps est à moitié détruit. Me dis pas qu'il peut sauter, qu'il va bien, genre, oh non, non, désolé, je me suis coupé avec une feuille. Bah ouais, mais ça a servi à rien des coups qui pointent les problèmes héroïques de la société. C'est comme si demain, t'as un mec en slip dans la rue qui te dit que le monde est corrompu, t'y crois pas. Par contre,
quand Lady Nagant dit qu'il est que des problèmes dans la société, là, t'y crois plus. Et je te rappelle, si tu veux parler du premier mec qui pointe les problèmes de la société, c'est Stain, hein, dans la saison 1. C'est Meilleur Stain le personnage premier au qui monde. pointe les problèmes de la société. Non, saison 2. C'est Stain qui pointe les premiers problèmes de la société avec avec les héros qui sont maintenant là pour la gloire et pour l'argent et que le système est complètement corrompu. C'est Stain le premier, c'est pas Gentleman Criminal. Et la seule personne qu'on a vu pointer les problèmes de la société héroïque et qui a une légitimité pour le faire, c'est Lady Nagant. Gentleman Criminal, il en a pas. Quand t'es un paria de base, c'est compliqué. Alors que Lady Nagant, elle a été tout en haut, au sommet de l'échelle des héros, quasiment. Du coup, quand elle te dit qu'il y a un problème au niveau de la société héroïque, tu la crois, parce que elle a vécu le système. Gentleman Criminal, il a juste été recalé à l'école, quoi. Voilà. C'est l'impact des deux n'est pas pareil, quoi. C'est comme si tu me disais que le maire avait plus d'influence que le président du monde, à savoir moi. Mais j'avoue que là, le problème que t'as avec Shigaraki, bon, je vais quand même essayer de lancer des BD là. Le problème que t'as avec Shigaraki actuellement, c'est juste que t'as l'impression qu'il est inarrêtable. Le mec est tellement devenu une brutasse que tu te dis, mais. En fait, si tu veux, le truc, c'est que je me dis, quand tu vois quand même Star, elle est quand même ultra balèze. Je veux dire, elle te sort des pouvoirs de ouf gueudin. Et Shigaraki s'en bat les couilles, il se régénère en permanence, quoi. Je me dis, comment Midoriya, avec ses petits points, il arrivera à l'achever? Et je me pose une autre question, c'est si All For One avait le même pouvoir que Shigaraki, comment ça se fait que deux beignes de All Might aient réussi à le mettre par terre? Je veux dire, là, c'est presque des bombes atomiques qui s'est mangé dans la gueule, Shigaraki. Et il est là, direct, il revient dans l'action et tout. J'ai du mal à croire que All For One, il a été KO après deux beignes, quoi, parce que c'est ça. All for One, on lui met deux beignes et il est KO, quoi. De mémoire, ils le disent justement qu'ils ont obtenu Oh. l'alter de régénération après. Et justement, c'est le professeur qui dit ça à All For One en disant, si on avait eu ça avant ton combat contre All Might, t'aurais jamais perdu, t'aurais jamais été autant de figuré. Attends, j'ai le son de jeu qui est hyper fort. Voilà. Ouais, il y a effectivement ça, mais il parle du combat de All Might, le premier, pas du deuxième. Oui, le premier. Voilà. Moi. Après, tu dis que les séquelles sont trop lourdes, quoi, Ouais, comme peut-être. All Might, où les séquelles sont trop lourdes. Bah, il y a un mec qui disait, en fait, et c'était une comparaison qui était légitime, sur un forum, qui disait qu'en fait, comme il comparait, c'est le fait d'avoir un alter par une coupe qui est pleine avec un alter, et il disait en fait que All For One, après tout ce qu'il a vécu, en fait, sa coupe, elle est brisée. Et que du coup, les alters qu'il utilise, il peut pas les utiliser aussi bien que pourra le faire Shigaraki, parce que Shigaraki, lui, c'est un. Il est neuf, si je puis dire. Mais j'avoue que pour moi, Shigaraki est devenu trop fort. Bon alors j'espère qu'avec mon système de ventilation et tout, vous devrez pas, vous entendrez pas trop le bruit du PC. Prio. Après Star, encore une fois, c'est, ils utilisent des personnages, ils mettent en place des alters qui sont tellement violents. C'est-à-dire que Star, elle a besoin de parler et de dire le nom de la personne. Ouais. Donc maintenant, tu mets juste l'autre connard qui, quand tu lui réponds, t'es sous contrôle, Ah, c'est il vrai. arrive, tu es en mon. Ah bah non, perdu. J'avoue. Oups. Mince alors. Ouais, c'est ça. Mais pareil, l'autre petit merdeux qui permet de, quand il touche quelqu'un, de copier l'alter, bah, utilisez-le à mort en fait. Envoyez-le avec Star, comme ça lui il peut déjà mettre des contraintes sur les autres, il peut mettre des boosts sur les autres aussi en fait. Tu m'étonnes. Attends, hop. Normalement, c'est bon avec ça. Voilà. Ou juste il copie Aizawa et puis voilà, enfin, c'est. Et voilà, le problème est réglé quoi. Mais grave. C'est-à-dire qu'il y en a un qui le regarde pendant que l'autre cligne des yeux. Ah putain, j'avoue. Aizawa, quoi. Bah après, Aizawa, enfin, je veux dire, dans l'idée, il a tellement boosté de base. Il doit avoir la régène, d'ailleurs, de toute façon, de base, en fait. Je dis ça, mais son passage dans la cuve a dû lui donner une régène, parce que quand on regarde, quand ils se battent, tu sais, Endeavor, All Might, enfin, Endeavor, Midoriya et machin, quand tout le monde se bat à l'hôpital face à Shigaraki, Shigaraki n'a plus d'alter, en théorie, puisque Aizawa lui enlève tout. Il le regarde et pourtant il a J'ai pas encore. vu ça. Ah, t'as pas vu ce combat-là? C'est dommage parce qu'il est vraiment très bien. Hein. Mais Bah là en fait, dans ce combat-là, en ouais. fait, t'as Aizawa qui le regarde en permanence. Donc en fait, il est plus censé avoir d'alter, Shigaraki. Et il dit que en fait, il a tellement été boosté dans la cuve qu'il a l'équivalent du One For All, en fait, de base maintenant, sans alter.
Quand il est sans alter, il a le one for all. Je trouve ça pas crédible, mais d'accord. Decay, il retire Decay, mais en fait, il lui retire les alters en théorie. Il lui retire pas Dans que le ça. gâteau! Je pense que Shigaraki va réussir à récupérer le pouvoir de Star et va devenir définitivement inarrêtable. Bah, faut pas qu'il le soit en théorie. Attends, je lis ton message après, c'est juste que là, je change de fenêtre. Déjà qu'il est totalement incontrôlable, je vois bien un combat final où Shigaraki l'emporte face à Midoriya et les autres héros et une fin sombre. Non, c'est impossible, c'est impossible. T'es dans un shonen ultra C'est classique. ça. T'es dans un shonen ultra classique, ils prendront jamais le... ils se feront jamais chier à faire un truc comme ça. Honnêtement, ça n'arrivera jamais. Tu penses que Overhaul va jouer un rôle sur la fin? Parce que pour moi, c'est le seul qui peut vraiment embêter Shigaraki avec son alter. Bah, il peut même plus s'en servir de son alter en théorie, puisqu'il a plus de main. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de revanche à prendre. Mais moi, j'aurais bien aimé, tu vois, une fin avec genre les héros qui combattent les vilains. Tu sais, les vilains qui sont alliés à All for One, il faut bien les combattre et les occuper. Et Midoriya qui se bat contre All Might. Enfin, All for One et Shigaraki, en même temps les deux, accompagnés de Bakugo et de vilains qu'il a affrontés avant. Genre, bah, Overhaul qui participe, peut-être d'autres, par exemple, moi, je verrais bien, c'est Toga, la meuf là, qui pique le sang. Toga, elle est avec les méchants, mais en fait, tu te demandes pourquoi elle est avec eux, parce que elle t'explique que les deux personnes qu'elle idolâtre à fond, c'est Midoriya et Ochako, qui sont pas vraiment du côté des méchants. Donc, elle n'a pas vraiment de raison aujourd'hui de rester du côté des méchants, quoi. Bah, c'est pas que je veux une Infinity War, c'est que ça me paraît cohérent, en fait. Parce que, après, t'as vilain et vilain. Je veux dire, All for One, il veut carrément détruire la société héroïque. Il veut, enfin, détruire la société en elle-même. Il y a des vilains, c'est pas vraiment leur objectif. Et puis, en plus, il veut la détruire pour faire rien à côté. Enfin, t'as pas l'impression qu'il a un plan derrière. Et puis ouais, c'est les vilains victimes de la société. Genre, Toga, elle est victime de la société parce que son alter est lié au sang. C'était le cas de Stain. Voilà, donc c'est pas vraiment des... Enfin, c'est des méchants parce qu'ils le sont devenus à cause de la société, mais de base, ils sont pas forcément de gros vilains pas beaux, tu vois. Ouais, mais ça justement, c'est que c'est des héros qui ont été mis, enfin, des potentiels héros qui ont été mis de côté et qui sont devenus méchants. Donc ça encore, c'est intéressant, enfin. Mais l'autre, c'est juste un parrain de la mafia qui veut écraser son autorité sur les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Attends, je vais baisser un petit peu le son global. Voilà. En espérant que comme ça ce soit bon. Overhaul peut changer de camp. Ouais, Overhaul, c'est possible quoi. Overhaul, honnêtement, il y a des chances que ça arrive. Mais en théorie, Toga pourrait copier le pouvoir de Star aussi. Putain. Ce serait overpété quoi. Non, mais quand tu y penses, c'est ça. C'est-à-dire que tu as deux mecs qui peuvent copier le pouvoir de Star. C'est-à-dire qu'en théorie, vu qu'elle peut mettre sa règle sur deux personnes, tu as six personnes qui peuvent aller combattre Shigaraki en étant immortelles selon les règles dictées par le pouvoir. C'est vrai. Après, elle a même pas besoin de se battre, hein. Elle arrive, elle va voir Midoriya et elle met une règle sur Midoriya pour le booster à fond et une règle contre Shigaraki. Enfin bon, elle peut pas Shigaraki, mais bon, t'as compris l'idée. Elle a même pas besoin de donner son alter, elle a qu'à utiliser son pouvoir sur eux, quoi. Mais à chaque fois, c'est un boost et une contrainte sur quelqu'un d'autre, ou on peut mettre deux boosts sur quelqu'un ou deux Alors, contraintes sur ça fait quelqu'un d'autre? partie des règles dont on ignore tout. Ils nous ont parlé plus ou moins des restrictions et encore, on sait pas tout. Mais on ne sait pas si le délire qu'elle a de mettre un pouvoir sur une personne, de mettre un pouvoir positif sur elle et un pouvoir négatif sur son ennemi, elle fait ça parce qu'elle ne peut pas se donner deux boosts, ou alors c'est juste parce que c'est plus simple de se donner un boost à elle et un malus à l'autre. Aucune idée, mais c'est une question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle peut donner deux ordres à la même personne? Des deux règles. Est-ce qu'elle peut donner deux règles à la même personne? C'était une question que je me posais et où on n'a pas la réponse encore. Les haters peuvent évoluer. Ou alors ils ont toujours les pistolets, les cartouches de trucs qui retirent les haltères. Il doit en rester, ouais, je pense. T'imagines? T'arrives à le dupliquer ce truc-là et tu fais juste une pluie sur Shigaraki et oh, bah t'as plus rien! Ouais. Ah, j'ai bien aimé le Shikaraki maîtrise maintenant son alter. J'ai fait, bah en fait, il était temps quoi. C'est bon.
Bon, il a toujours plus ou moins maîtrisé. Midoriya qui peut débloquer un alter. Il reste quoi comme alter qu'on connaît pas de Midoriya? Combien il en reste qu'on n'a pas? Deux, non? Bah, c'est cette version d'avant. Ah, les dessins d'Horikoshi sont incroyables, ouais. Bah oui, il y en a 7, parce que All Might n'avait pas de pouvoir, lui non plus la base, et le premier n'avait pas non plus, enfin voilà. Du coup, Ouais, le premier, du coup, il y en a, du coup, il est censé en avoir 7 en tout. Et il reste qu'un qu'on n'a pas, putain, c'est très peu quand même. Midoriya ou Deku. Alors Midoriya ou Deku, c'est la même personne. Hein. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. L'alter de Bakugo. Non, franchement, le coup du voyage dans le temps ou du papa de Bakugo, ce serait tellement chelou. J'ai un peu peur là. je peux pas regarder le live par contre en retour, sinon je vais être trop. Oh, comment je m'en suis sorti là? Oh, si je m'en sors, c'est ouf. Hein. Oh la vache! Oh, je m'en suis sorti! Comment c'est possible? Attends, j'attends qu'il s'éloigne quand même. Il était dans un des coins là. Hop là. Bakugo va avoir la haine si c'est un Alta d'explosion. Ouais, grave. Salut Abdou. Ça va, vous entendez pas trop le son de mon ventilo? DBS est une légende dans le sens où ça n'a jamais existé? Putain, c'est chiant, je cherche un totem là pour Hey, merde, l'invoquer. putain, j'avais presque fini. Ah bah c'est toi qui parles de légende. J'ai eu le temps de le faire avant que tu m'attaques, mon gars. Putain, tout est fermé, c'est abusé. Ah, c'est Booba. Ouais. Il est là, il me suit, il me suit. Il me suit, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Ah oh putain, il m'a eu le bâtard. Bon. Ah bah il a le droit hein, de jouer à ma repartie. Après, il a les moyens d'acheter des jeux chiants. Hein. Chute de Franklin, le connard. Tu penses que Choto va finir avec Momo à la fin de Macha? Je sais pas. Par contre, je sais qu'Ochako va finir avec Midoriya, ça paraît évident. On n'a pas le son du jeu ou très bas? Putain, moi je l'ai fort, hein, je peux te dire. Attends. Oh ouais, un fils de... J'adore les campeurs. Attends. Le mélangeur de volume. Raté. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt de faire ça? T'es sérieux, le mec il m'a décroché pour que je me fasse tunnel par un fils de pute! Putain, mais pourquoi il m'a décroché l'autre connard de. D'As machin là, sérieusement? Ça commence bien. Non, mais le mec il me décroche devant le gars! Il est poursuivi, il fait ça! Putain, merci connard! C'est quoi les plus grands reproches que tu peux faire à DBS? Bah, il n'y a pas de fond, ça n'a pas évolué depuis il y a 25 ans. Ce qui est un peu triste quand même, tu dis, parce que le manga a énormément évolué et pas du tout Dragon Ball. Faut que je me soigne en dedans. Il peut pas être meilleur que Broly, c'est de la chiasse. Mais mec, tu peux pas traîner autre part, gros connard de mec là? On va essayer de te sauver. Putain, mais sérieux, le mec il tourne encore autour de moi, mais c'est vraiment, vraiment un enculé jusqu'au bout, quoi. Tu peux pas faire pire.
Ça va être trop tard. Dernier coup là. Ah, je suis mort. Ah putain! Allez, console-le! Putain, quel connard ce mec, j'hallucine quoi. Bah les dessins de Toyotaro, c'est... Ce que j'aime bien, c'est que maintenant il a fait son propre style alors qu'avant c'était pas le cas. Putain, il s'appelle Yoshi le connard là. Mais moi j'ai rien contre les dessins de Toyotaro, hein. Je trouve que c'est plutôt réussi globalement, j'ai pas à me plaindre. Mais le problème de Dragon Ball, c'est juste que tu fais du Dragon Ball. Si demain je te fais un film Le Gendarme à Saint-Tropez, si je te refais un film Le Gendarme à Saint-Tropez comme celui des années 70, tu vas faire la gueule parce qu'il correspond plus au standard que t'as aujourd'hui. Et c'est le problème de Dragon Ball. Dragon Ball Super fait du Dragon Ball Z, sauf que Dragon Ball Z ça marchait dans les années 80-90, sauf qu'aujourd'hui on est en 2020. Le manga a énormément évolué et Dragon Ball n'a pas évolué. Il est là le principal souci. Tu sors des arcs, tu sors des idées que tu développes absolument pas derrière, quoi. Tes rades, ils ont fait 12 univers, c'est quand que t'as vu les 12 univers en action? Y a rien eu. T'as peur pour Deku? Bon, de toute façon, Deku va gagner, hein. On est dans un shonen classique, je m'inquiète pas pour lui, hein. Ouais. C'est triste de dire ça, en fait. Ouais, c'est vrai. De soi, c'est ce que j'aimais bien dans SNK, c'est que quand je le lisais, je ne savais pas ce qu'allait se passer à la fin. Est-ce que Eren allait mourir et que Armin et les autres allaient réussir à sauver tout le monde? Est-ce que Eren allait réussir son plan? Est-ce que finalement, en fait, ce serait une sorte de compromis et que ni l'un ni l'autre aurait véritablement ce qu'il veut? C'était intéressant, l'idée de ça, tu vois. J'aimais beaucoup parce que c'était la première fois que je lisais un manga, un peu comme Death Note, tu vois. Death Note, tu sais pas vraiment si, à la fin, Light, il va s'en sortir ou s'il va mourir. Jusqu'à la dernière seconde, tu sais pas trop si l'auteur va faire de lui le dieu, le Shinigami, quoi, le dieu de la mort, ou s'il va en faire un meurtrier qui se fait arrêter de plus, quoi. J'adore ta capuche. T'as vu ça? Avec les petites oreilles, là. Et le mec va perdre, il campe, cherche pas, laisse-le crever, hein. Il campe, tu arriveras pas à le sauver, de toute façon il reste devant. Regarde ça, c'est vraiment juste un gros connard de A à Z, quoi. Si tu vas, tu vas juste crever en plus, voilà. Voilà, bon, c'est toi qui vas mourir et pas lui. Bah c'est le dédard qui marche pas aussi. Ah bah il le focus, il le suit. J'ai peur que les futurs combats de MHA perdent sur de la surenchère pour à plus savoir qu'en faire, style Naruto à la fin du manga. On verra, mais j'avoue que là, on a limite des têtes nucléaires qui arrivent sur la gueule des mecs, donc ça devient compliqué de faire plus, quoi. All Might, c'est sûr qu'il va mourir pour moi. Endeavor, c'est quasiment sûr aussi. Tu penses que le plus gros problème de DBS, c'est Akira Toriyama est encore derrière cette œuvre et impose son style dépassé du manga? Ouais, ça fait partie des gros problèmes de l'œuvre pour moi, c'est Akira Toriyama. Il faut le laisser, il faut laisser un vrai scénariste à la manette, quoi. Je te dis pas que Toyotaro serait meilleur scénariste, mais Akira Toriyama n'a jamais été un bon scénariste, soyons clairs. C'était Torishima qui faisait le scénario de Dragon Ball, quasiment. Donc Akira Toriyama, il est pas fait pour avoir les rênes, mais c'est comme n'importe quoi, c'est comme tout, tu vois. Tu peux avoir un mec et tu peux avoir un super pilote de Formule 1, je lui confierais pas ma caisse à réparer, tu vois. Là, c'est pareil, chacun son rôle. Et le rôle de Toriyama, c'était clairement pas d'être un bon scénariste. Et tu le vois bien. Par contre, les deux peuvent pas être poursuivis, on est d'accord. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, je crois que l'autre vient de sauver, là. Ouais, bah, il y a qu'à voler son cul un peu plus tôt, ça. Toutes les manières de. Comment c'est fait, le scénario de en l'état de MHA est basique. Pareil pour Keiju, mais c'est comment c'est raconté. Bah pour MHA, ouais, c'est la façon dont c'est raconté. Bah c'est pareil, je veux dire, quand j'ai vu le chapitre, j'ai pas été surpris par ce qui s'est passé dans le chapitre de MHA qu'on a eu là. Je veux dire, je l'avais dit, on a eu deux chapitres avec Star qui dominait complètement le combat. Il était certain que y allait avoir un retour de veste et que tu n'allais pas avoir... Tomura qui allait se faire déchiqueter la gueule, mis en prison et tout, il allait forcément prendre l'ascendant sur Star. Et la façon dont c'est fait, c'est super stylé par contre, tu vois. Oh putain,
Oh. Allez, ouais, Putain. c'était loupé là. Parce que MHA, c'est ça, le scénario est quand même. Alors, plat, c'est pas le bon mot, mais le scénario est quand même relativement basique. Mais ce qui est intéressant dans MHA, c'est la façon dont c'est raconté, tu vois. C'est comme, tu sais, le délire qu'il y a eu avec. Comment il s'appelle? Avec Dabi. Je veux dire, on était tous au courant de l'identité de Dabi. Ça, il n'y a eu aucune surprise dans ça. Dommage, t'étais presque. En revanche, t'étais mort. En revanche, ce qui était bien, Putain. c'était la façon dont ça a été fait qui était pas mal. Tu vois? Non, mais c'est pas possible que Tchako soit la traîtresse. Nezu, c'est la meuf aveugle. Je vois toujours pas comment elle pourrait être la traîtresse, tu vois? Parce que pour moi, c'est forcément un prof. Ah, Nezu, je vois pas comment Nezu serait le traître, honnêtement. Bon, je reste pas pour insulter ce fils de connard de campeur, hein. Mais en tout cas, super première Pourtant, partie. qui mériterait? Mais grave, putain. Vraiment, ce tunnel de merde. Rata, j'ai rien fait de la game. J'ai fait un gène, il m'a attaché, et il restait là. Et puis le mec qui t'a décroché, il est venu me décrocher pendant qu'il était poursuivi. Donc, bah, le mec a attendu que je descende, et pff, il m'a retapé derrière, quoi. C'était super passionnant, quoi. Mais je pense pas qu'il est. Alors, je vais te dire, je pense pas que Toriyama est dépassé par les événements. Parce que c'est juste qu'il n'est pas compétent pour ça, mais il l'était déjà pas à l'époque de Dragon Ball. C'est quelque chose que je dis, que je répète, que je persiste et signe à dire. Toriyama n'était pas doué pour les scénarios déjà il y a 25 ans de ça. Il était déjà pas doué. Je veux dire, regarde les scénarios qui ont été faits, les trucs que t'as sans doute trouvé bien, comme par exemple les Saiyans, Piccolo, Freezer, les cyborgs, Cell. C'est Torishima qui lui a dit de le faire. Même le Budokai Tenkaichi, le truc emblématique que tu kiffes à mort, à mon avis, enfin que beaucoup kiffent à mort, le Budokai Tenkaichi, c'est l'idée de Torishima. Le simple, l'idée même de Goku, c'est déjà Torishima. Le fait de s'inspirer des pérégrinations vers l'ouest, c'est déjà une idée de Torishima. Avant même, c'est pas Toriyama qui l'a eu l'idée, c'est Torishima qui a dit fais ça. C'est ouf quoi. Et du coup, bah, et tu vois bien, l'arc, le rad, c'est quoi l'arc que tu trouves le plus chaotique? Celui qui est le plus incompréhensible, que celui qui est le plus what the fuck? C'est l'arc Bou, et c'est le seul où Torishima a pas travaillé dessus. C'est le seul où Torishima n'était pas à la manette et que c'était Toriyama à 100%. Et tu le vois, c'est le plus chaotique en termes de scénario. Avec des trucs complètement incohérents, des redondances énormes, genre pourquoi tu crées les Potara alors que t'as fait la fusion métamol? C'est débile. Surtout dans le même avec très peu de temps d'écart, quoi. Ah ouais, non mais tu sentais bien, il a refait la même chose parce que voilà, c'était juste pour pas faire le coup de j'apprends la danse en 2 secondes à Vegeta. Pourquoi il tue Vegeta pour le faire revenir? Quelle cohérence y a à faire revenir Vegeta? Genre, dans l'idée. Oh, il le fait sacrifier pour que sauver son Non mais fils, ça, non mais c'est mignon. joli. Mais ce que je veux dire, c'est que Emma qui fait revenir Vegeta sur Terre, tu te dis c'est quoi l'intérêt? Je veux dire, Vegeta a perdu son combat face à Boo. Entre-temps, Boo a hyper évolué et est beaucoup plus fort, et tu envoies Vegeta pour qu'il recrève. Je veux dire, c'est ça sert à rien. Tu sais très bien qu'il a aucune chance, Vegeta. On le sait tous. Avant qu'il arrive, tu sais déjà qu'il a perdu. C'est juste parce que scénario, parce que il veut faire la fusion, quoi. Mais tu sens qu'il n'avait pas prévu la fusion Potara au début. Je suis sûr et certain. Qu'au début, il avait décidé que ce serait peut-être Gotenks qui réglerait le problème, peut-être pas, je pense pas, mais je pense qu'il avait décidé que c'était Gohan qui allait revenir sur le devant de la scène à la fin. Quant à Gohan Ultimate et qu'il attaque, je pense qu'il voulait que ce soit Gohan. Et puis finalement, comme il a dû avoir la pression des autres et tout pour faire revenir Goku, et ben il a trouvé une raison bidon de faire revenir Goku, mais comme il a rendu Gohan hyper balèze, il fallait bien que Goku ait un pot Europe aussi, en plus du SSJ3. Et du coup, ben, il a fait la Pas fusion mal. Potara parce que. Avec ce petit laps de temps, il pouvait pas se permettre de croiser Vegeta en... et dire oh, ça te dirait pas qu'on passe les 3 prochaines semaines à s'apprendre à danser ensemble? Donc il a créé les Potara pour faire la même chose que la métamole en mode YOLO, c'est sûr et certain quoi. Donc déjà il était dépassé par ça. Il a jamais été bon scénaristiquement Toriyama. Il va pas le devenir du jour au lendemain. Hein. Et en plus aujourd'hui nos exigences sont beaucoup plus importantes qu'il y a 30 ans. Donc il était déjà pas à la hauteur. De ce qu'on voulait en termes de scénario en 90, il l'est encore moins en 2020, quoi. Bah là, dans l'idée, tu te dis pour Shigaraki, je me dis, Midoriya, s'il vient pour lui mettre un pain dans la gueule à Shigaraki, bah son poing est désintégré avant même qu'il le touche, quoi.
Dans l'idée, je vois pas comment il peut faire quoi que ce soit. Hein. Bah, l'arc Buu était chaotique, et ben c'est le seul arc où Torishima ne travaillait pas avec Toriyama, où Toriyama a demandé à le faire sans aucune aide extérieure. C'est tout. Je trouve pas si chaotique que ça, alors que bon. L'arc Cell m'a plus fait chier. La fin était intéressante, mais le début, oh là là, le début de l'arc Cell, j'ai trouvé horrible. Eh ben c'est Toriyama ça. Puisque c'est Ah Toriyama qui... Bah oui, non, mais en fait, si tu veux, Toriyama, quand on lui a dit, quand il y a eu cette histoire avec les cyborgs à créer, Toriyama avait prévu que les deux cyborgs qu'ils affronteraient, ce serait C-19 et C-20. Et en fait, il a créé C-19 au C-20, et Torishima lui a dit, tu te fous de ma gueule, c'est quoi ces deux huîtres là, on peut pas avoir ça en boss final de Dragon Ball, il nous faut mieux, quoi. Et du coup, bah, il a fait en sorte de faire perdre les deux persos. Et derrière, il a créé C-17, C-18, et C-16. Sauf que le problème, c'est que ces personnages-là avaient aussi le charisme d'une huître. Et donc Torishima lui a dit, bah t'as fait mieux, mais pas assez bien, quoi. Ça suffit pas ce que t'as fait là. Il nous faut mieux, quoi. Et du coup, c'est là qu'il a créé Cell. Et il a créé Cell, et de la même manière, Torishima lui a dit, ton Cell, il pue du cul, il est laid comme un pou, tu peux pas avoir ça non plus comme boss final. Il faut que tu fasses en sorte qu'il ait des évolutions. Et là, il y a eu l'idée, je sais pas si c'est Torishima ou Toriyama, mais... Connaissant Toriyama, je pense que c'est Torishima, mais l'idée de faire absorber les deux cyborgs par Cell, c'est à mon avis une idée de lui aussi, quoi. En tout cas, pour C-19, C-20, C-16, C-17, C-18, c'est lui, quoi, c'est sûr. Et Cell aussi. Et parce que Toriyama s'en battait les couilles, quoi. Il a fait des trucs en mode YOLO, et puis voilà. Bah, il lui en manque un d'alter, à Midoriya. C'est pas comme si t'avais une quarantaine d'alters qui allaient popper du jour au lendemain, quoi. Et même si son alter peut évoluer, les alters qu'il a, ce sont pas des alters offensifs de fou. Je veux dire, regarde, fais un résumé de ce qu'il a comme alter. Il a l'alter de Spider-Man, genre frisson. Il a l'alter qui augmente sa force. Donc ça, c'est vraiment un truc quasiment que pour le corps à corps. Il a le Black Wisp là, mais le Black Wisp, c'est pareil. C'est plus un truc pour ce... Encore une fois, c'est plus un truc à la Spider-Man que un vrai truc offensif. Genre, tu tues pas quelqu'un avec un Black Wisp, quoi. Et puis, quand tu vois la puissance de Shigaraki, tu te doutes bien que les petits liens noirs, là, ils vont rien faire. Il a l'alter de fumée. C'est pareil, c'est pas l'alter de fumée qui va évoluer en énorme transformation monstrueuse qui va one-shot quelqu'un. Voilà. Bah ouais, mais même s'il a une vision du futur, tu peux toujours voir le futur comme tu veux. Si t'es pas capable de donner un coup à Shigaraki, ça servira à rien. Hein. J'ai eu un Oh putain, c'est frisson. le nouveau tueur. Ah. Attends, le nouveau tueur, c'est qui déjà? Capopman. Oh, mais c'est encore lui le nouveau? Non, il y a le Razer qui est popé entre-temps, mais Capopman est l'avant-dernier. Non, mais je me doute qui c'est, Mados, mais tu peux savoir et faire un truc complètement pété, quoi. Tu peux faire... C'est pas parce que t'as eu une idée et que tu as prévu de la faire que l'idée est géniale, quoi. Honnêtement. Je me doute bien qu'il sait où il va, mais ça veut pas dire qu'il va à un bon endroit. C'est toute la différence, tu vois. Alors là, s'il a pas un truc pour nous voir. Il est allé sur toi. Ouais, il va sur moi là. Il est juste à côté de moi, il a été sur l'autre générateur. Et là, il repart dans l'autre direction, j'ai l'impression. Ouais, je pense que je suis tranquille. Et sinon, je peux changer l'affichage si vous voulez pour mettre le truc sans l'overlay. Si vous préférez, je vous laisse décider. Si vous voulez que je laisse l'overlay comme ça ou si je mets juste ma petite image de ma petite gueule comme ça au milieu. À une époque, Toriyama voulait développer plus la deuxième forme de Cell, et c'est la Toei et l'éditeur du manga qui a mis pression pour faire passer en Perfect Cell, mais normalement, Cell, deuxième forme, aurait dû être plus développée que ce qu'on a vu. Ah oui, ça a été rapide, hein, je reconnais.
Ouais, il faudra sans doute un travail d'équipe. Bah, pour battre Shigaraki, j'imagine pas. De toute façon, je pense qu'à la fin, il va réussir à sauver Shigaraki. Je veux dire, encore une fois, on est dans un shonen relativement classique, mine de rien. À partir du moment où Midoriya a dit, mon objectif, c'est de sauver Shigaraki, il va sauver Shigaraki. C'est sûr et certain. Et je pense que tu pourras avoir un truc, alors je caricature parce que c'est pas comme ça exactement, mais à la Bleach, tu vois, avec un Ichigo qui est corrompu parce que y a le Hollow en lui qui prend un peu l'ascendant, et puis Ichigo qui le combat intérieurement à un moment donné, tu faisais dans le combat qu'il y a entre Byakuya et Ichigo, ça arrive ça à un moment donné, et on a vu à un moment donné All for One parler à sa place, à Shigaraki. Ça a été dit, quand il dit j'aurai ton alter et je m'en servirai mieux que toi, ou je sais plus comment il le dit exactement. Mais c'est les mots d'All for One, c'est pas les mots de Shigaraki, ça a été dit dans le truc, en tout cas dans la version que j'ai lue. Et du coup, je me dis qu'à un moment donné, Shigaraki va essayer de se battre, entre guillemets, pour. Comment dire, pour. Pour se détacher de l'emprise de All for One. Et que là, il y a moyen de faire quelque chose. Et ça se trouve, en fait, ils vont battre All for One et ça va sauver Shigaraki. Mérite-t-il d'être sauvé? Ils sont en train de vous rejoindre là. Ah, il est en train de courser quelqu'un, ok. Je vais libérer le. Bah, c'est toi d'ailleurs. Okay. Oh! Ah, on est dans l'aura du truc là en plus? Ouais. Hop là. Je comprends que tu me fais super vite. Il a bien fait de l'accrocher là-haut. Enfin, de mettre le totem du haut. Parce que là, Non, visiblement. c'est moi. C'est toi? Et comme le totem du haut est un. Le générateur du haut est déjà fait, il n'a plus aucun intérêt à monter là-haut à part pour péter le totem. La maison devient une zone. Et il est poursuivi? Ouais, il le poursuit, ok. Je vais aller sur le décrochage. Ah, mais. Il s'est crevé? Il s'est Oh suicidé. Ouais, putain, il ça s'est saoule. suicidé. Voilà, un gène là. All for One, il manipule tout le monde, y compris Shigaraki. Ouais, on l'a vu, bah, c'est plus ou moins ce qu'on a vu quand il y a eu le truc que toi t'as raté, du coup, parce que tu l'as pas vu. Le pseudo-combat qu'il y a eu intérieur, là, Midoriya dit bien que, il est en... que Shigaraki doit être sauvé. Ce serait intéressant qu'on en apprenne plus, justement, sur le fait que Shigaraki est responsable. Ah, où est-ce qu'il va aller? Je sais pas, il est parti à l'autre bout. Il est à côté de moi là. D'accord, Ok, il mais part dans il l'autre va être sens. dans Il part dans l'autre. l'autre sens sans même se retourner, sans même regarder. Du coup, je refais mon gène. Il fait la même erreur que tout à l'heure. Il doit vouloir revenir sur le décrochage. Comme il sait que Un extraterrestre. le totem est dans la maison, il va dans la maison là. Non mais de toute façon c'est pas Toyotaro qui a la bagatelle, hein. C'est clairement, faut arrêter avec ça. Hein. C'est-à-dire, les gens ils crachent sur Toyotaro en fait parce que ça les fait chier de cracher sur Toriyama, mais faut juste voir la vérité en face. Toriyama c'était un gars qui avait fait des super trucs. Même si c'était loin d'être parfait. Il arrive dans ma direction. Il m'a vu. Merde, j'espérais le baiser comme ça. Il est où? Aucune idée. Putain, il met ses merdes là. Il aimait vite, hein. C'est abusé! Ah putain, j'hallucine quoi. Là là. Juste à côté. C'est vrai qu'il y a Fumi, il y a Eren dans le manga parce qu'il y a Fumikage. Attendez, hop, est-ce que je l'ai Qu'est-ce encore qui le truc? fait? Est-ce que je l'ai encore? Voilà, comme ça. Attends, peut-être un autre. Comme ça, vous pouvez voir. Attends. Je mets celui-là? Non, c'est celui-là. Voilà, comme ça que vous pouvez voir les trucs. Tu veux que je te soigne? Il arrive là. Normalement, j'ai le frisson. Ah oh, putain, je repasse devant lui. Pas de bol.
Bien joué, mais il y en a partout donc. Et ouais, j'aurais même pas fait les trois quarts. Sérieusement? Faudrait juste qu'on enlève Toriyama de la truc, mais le problème c'est que tu peux pas lâcher Toriyama parce que les gens sont tellement matrixés par Toriyama. Attends, qu'ils partent du principe que Toriyama c'est le bien incarné et que s'il n'y a pas Toriyama alors c'est game over. Sérieux, je suis encore tunnel là ou je rêve? Ah non, j'ai eu peur. Je me suis dit merde, tu peux pas me le faire en boucle ça. Ah bah si, je suis tunnel. Non, je crois. Ouais, j'ai frisson donc je pense qu'il me suit là. Je sais pas, l'autre se prend des kunai. Ah bah c'est peut-être pas moi alors. Effectivement. Ah bah tiens, bouge pas. Ah bah t'es à côté de moi. Oh bien ça. Vas-y. Bah les haltères c'est juste que les gens ont été modifiés, mais après, ce serait marrant qu'ils arrivent et qu'ils disent qu'en fait c'est All for One qui a fait un truc à l'humanité qui a fait qu'on a tous des haltères. Je commence à y aller pour essayer de la sauver. Ok. Je pense qu'il va arriver sur ma gueule de toute façon, donc je vais m'éloigner. Il est en train de se recharger dans le kunai. Il est là. J'observe. Ah, il a pété le totem. Il revient vers toi là. Ah, non. Non, non, en fait, je sais pas trop. Il va Il revenir, y a mais des bon. chances qu'il vienne sur le décochage. Ouais, je pense aussi. Je retourne faire le truc de la maison. On va utiliser ma trousse à outils dégueulasse. C'est un mec qui s'est fait vacciner, tu crois? Ah, sachant qu'en ce moment, en plus, tu vois, il y a un truc, j'ai jamais spécialement critiqué le gouvernement, même s'il était clairement pas parfait sur la crise du Covid, mais j'ai jamais aimé les complotistes anti-vaccins, j'ai toujours trouvé ça un peu débile. Mais par contre, si nous referons un confinement, alors qu'actuellement, t'as au moins 70% de la population qui est vaccinée, tu pourras vraiment dire que c'était un échec, le vaccin, quoi. Parce qu'ils avaient dit que je crois que pour qu'une population soit endigue à un virus, il suffit que 75% de la population soit vaccinée. Ah putain, j'ai raté. Après, le pourcentage dépend de Ouais, ça dépend de plein de la choses. contagiosité du Et virus. aussi de sa mutation, parce que s'il mute, au bout de 6 mois, ton vaccin, il sert plus à rien, quoi. Alors là, je crois qu'il m'a vu. Salut! Ah merde, j'espérais m'en sortir là. Tiens, vas-y. Casse ça déjà avant de me rejoindre. Bon, je vais mourir. Ça me paraît évident. Ah, je suis en train de me faire soigner par l'autre. Au Le secours! problème, c'est qu'on est tous P2 là. Putain! Ah, vous êtes là, salut. C'est pas grave. Putain, il redescend aussi vite sans déconner! Sérieusement! Le vaccin va créer des haltères, ouais. Bah, de toute façon, s'il fait un reconfinement, il perd les élections, hein. Soyons clairs. Il y a les gens qui t'expliquent que c'est un complot du gouvernement. Je peux te dire qu'il n'y a pas pire pour perdre des voix pour Macron que de faire un confinement. Hein. S'il avait pu éviter de faire ça, il l'aurait clairement fait. Les gens, je pense, c'est marrant que les gens réfléchissent pas à ce genre de choses parce que il a rien à gagner à obliger les gens à avoir un vaccin. À partir du moment où tu fais des trucs qui privent les gens de liberté, tu vas forcément perdre des électeurs. Donc, dans l'idée, s'il a fait ça, c'est qu'il était vraiment dos au mur et qu'ils n'avaient plus le choix, quoi. Tu à la rigueur, quand tu m'expliques qu'on décide de créer les 35 heures et que tu me dis que le gouvernement fait ça pour gagner des voix, que c'est abusé,
Je peux te dire, bon, c'est une bonne avancée, mais par contre, ça reste quand même quelque chose qui est fait uniquement pour gagner des voix, hein, soyons clairs. Hein, il a rien à foutre de passer aux 35 heures, hein, le mec qui a fait ça. Mais pour ce qui est du confinement, pour ce qui est du vaccin obligatoire et tout, clairement, c'est pas les chargés de com' de Macron qui ont fait ça en disant, on va gagner des voix, on va faire ça, quoi. Et il recharge. Aïe aïe. Aïe 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 aïe. Putain. C'est tellement abusé ce truc sans déconner. Attention, voilà. Il est vers où l'autre là? Je vais te dire ça. Il fait un gène. Mais il est à peine au début. Hein. Je pense qu'il C'est moi foutait ça. avant. Ah c'est toi? Ah il est en train de... Ah C'est d'accord, donc il est Eugène. en train de tourner là. Et il va se faire avoir là, voilà. J'avais pas fait gaffe, je croyais que c'était toi là, qui était en train de faire un truc. Le vaccin va créer des haltères. Le reconfinement fait perdre Macron. Ouais, mais clairement. C'est de toute façon, je te dis, si Macron perd là, ça sera. Bah, de toute façon, là, les élections, je sens que ça va être là. Ça va être une élection présidentielle pire que la précédente, qui était déjà pas terrible. Hein. Et du coup, ça sert à rien. À quoi maintenant d'avoir une carte et des clés? La clé, ça sert juste à Ah. rouvrir quand le truc est fermé? C'est de la merde, quoi. Totalement. Et du coup, la carte, ça sert juste à savoir où sont les trucs? Ouais, où sont les objets? C'est vraiment de la chiasse, hein. Zemmour 2022. Je pense pas que Zemmour va gagner non plus, honnêtement. Je te dis, je sens que Macron va gagner par défaut, quoi. Comme il a gagné avant, hein, soyons clairs. Hein. C'est Macron, il a gagné les élections par dépit, parce que... La gauche a carrément jeté un tas de merde sur leur candidat. Je sais plus comment il s'appelait. Il avait des idées qui avaient l'air sympas en DSK. plus. Non, c'était pas des. Ouais, il y a eu DSK, mais il y en avait un autre avant. Il y en a eu un autre. C'était Benoît Hamon, Voilà, apparemment. Benoît Hamon. Moi, j'aimais bien Benoît Hamon, honnêtement. Le personnage. Après, j'ai pas forcément lu ses trucs, mais je trouvais qu'il avait l'air bien. Il avait des. Pour le peu d'idées que j'avais vues, j'avais trouvé ça sympa. Dommage. Ouais. Après, il y a les perques de base de ce tueur. Intimider et non. Empêcher les ouvertures de porte. Après, Akira, je vais te donner un exemple de truc que moi j'ai vécu. Alors, c'était pas par rapport à la politique, mais en fait, il y a une énorme différence entre les intentions de vote et les vrais votes. Et il y a aussi une énorme différence entre demander à 1000 Français pour qui ils vont voter et demander à 30 millions de Français. Donc, c'est compliqué de vraiment juger. De toute façon, on le voit bien. Regarde, je te donne un exemple tout con, les présidentielles de 2002. Quand il y a eu l'énorme matraquage avec Chirac face à Jean-Marie Le Pen, il n'y avait aucun sondage qui avait annoncé Jean-Marie Le Pen deuxième. Mais vraiment aucun, aucun. Donc voilà, le truc c'est que. Tu vois, je l'avais vécu dans les jeux vidéo. En fait, à un moment donné, je jouais à un MMO qui s'appelait The Force Coming, qui était gratuit. Et qui était géré par Goa, alias France Télécom. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Goa, au bout d'un moment, a dit le jeu nous coûte trop cher. Donc on va arrêter on va arrêter, on gagne pas grand-chose avec la pub. En fait, quand tu lançais le jeu, t'avais une pub au début, mais comme moi, je lançais le jeu une fois dans la journée, j'avais une pub dans la journée, je leur rapportais rien, quoi. Et du coup, ils ont dit le jeu coûte trop cher, donc en fait, on va créer un abonnement mensuel, genre de 5 euros, un truc comme ça. Et ils ont fait un sondage en disant, voilà, est-ce que vous êtes prêt à payer un abonnement mensuel pour continuer à jouer à T4C? Et il y avait, mais genre massivement, les gens ont dit non. Genre, t'as eu 88% ou 90% de gens qui ont dit non, on ne paiera pas pour jouer à T4C. Du coup, Goa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont laissé la licence, ils ont pas renouvelé le contrat. Et du coup, c'est une autre boîte qui a racheté le contrat. Et qui a mis l'abonnement payant, et quasiment tous les joueurs qui avaient répondu qu'ils n'étaient pas prêts à payer ont payé. Les gens sont revenus. Je vais dire une connerie, mais il y a à peu près un tiers des joueurs qui sont revenus, alors que tu avais même pas 10, même pas 15% des gens qui avaient dit qu'ils ne seraient pas prêts à payer, tu vois. Après, c'est normal. Est-ce que tu veux payer ça, toi? Non. Ouais, mais là, Bah, c'était pas le choix. finalement, c'est payant. Là, c'était pas le choix en fait. Les mecs ont dit, on garde pas le, on conserve pas le jeu si jamais on peut pas le passer payant.
C'est pas un choix, genre tu veux continuer à jouer gratuitement ou tu veux payer. C'était vraiment genre t'arrêtes de jouer ou tu payes. C'était ça le choix qu'avait fait Goa. Mais je pense sincèrement, Techno, je vais faire un peu mon blasé de la politique, mais je pense que t'auras jamais un candidat qui fait vraiment des choses pour le pays. Parce que les gens qui pensent vraiment au pays, ils n'arrivent pas tout en haut. Tu dois forcément penser à tes intérêts personnels et tu dois forcément brosser des gens dans le sens du poil et flatter leurs intérêts personnels, qui sont souvent au détriment de la collectivité, pour arriver là-haut. Je pense déjà que les gens que tu vois candidats aux élections présidentielles, alors je te parle pas d'un Poutou, tu vois, Poutou, voilà, mais je pense que la plupart des gens qui sont dans des groupes, genre le Front, enfin c'est plus Front National, c'est voilà, les Républicains, c'est Rassemblement National, le nouveau nom, le Parti Socialiste, même Macron, tous ces mecs-là, qui peuvent hypothétiquement brider une candidature à la présidentielle dans leur propre parti, ces gens-là sont déjà pour leurs intérêts personnels avant les intérêts du pays. Déjà, avant même de parler d'être président. Et ça va le son du jeu, je l'ai pas mis trop fort au fait. Je sais pas, je m'entends pas. Noir. Ouais, mais non, mais ils disent tout ça. C'est comme le mec au Parti Socialiste qui avait dit qu'il avait pas de compte en Suisse et qui s'est fait baiser. D'ailleurs, c'était rigolo parce que je sais plus comment il s'appelle le ministre de l'économie sous Hollande qui avait dit qu'il avait pas Ah, de. Cahuzac. Ouais, c'est Cahuzac. Et Cahuzac, en fait, il a été trop con parce qu'il avait un compte en Suisse et en fait, les Suisses ne divulguent pas le nom des gens qui ont un compte chez eux parce que sinon, évidemment, tu mettrais pas ton argent en Suisse. Et quand il y a eu toute cette affaire avec Cahuzac à un compte en Suisse, la première chose qu'a fait Cahuzac, c'est retirer, vider son compte en Suisse. Du coup, bah les banques suisses, elles avaient plus de raison de le protéger puisqu'elles avaient plus leur argent. Du coup, elles l'ont balancé, c'est comme ça que c'est arrivé. Si ce débile mental avait laissé l'argent en Suisse, on n'aurait jamais été au courant qu'il avait un compte en Suisse. C'est con quand même, faut être débile. Et le mec est ministre, tu vois, tu te dis, il doit en avoir dans la tête, et ben non, en fait. Le porno hardcore, c'est quand tu veux, It's Me Now qu'on en parle. Ça sert à quoi de mettre de l'argent en Suisse? Bah de pas payer les impôts en France. T'as des impôts sur la fortune, par exemple, en France. Au-delà de l'impôt sur la fortune, Puis t'as d'autres c'est trucs. des revenus Ouais. cachés généralement. Ouais, c'est... Genre, tu gagnes 100 000 euros, bah, tu vas en déclarer. Il y a 50 000 que tu vas essayer de cacher, et cet argent-là, bah, pour pas qu'il soit visible en France, tu le fous en Ouais, Suisse. tu vois, par exemple, imagine... par exemple, moi je vais te dire à mon niveau, tu vois, j'ai une société pour l'argent que je gagne avec YouTube, et là maintenant je suis obligé de déclarer Twitch aussi parce que les revenus seront trop importants, sinon ça va gueuler. Bon, même si normalement je rappelle qu'en théorie, le simple fait d'aller tondre la pelouse du voisin pour 15 euros, t'es censé le déclarer. On le fait pas parce que c'est débile, mais t'es censé le déclarer. Mais enfin voilà, donc on est censé déclarer tout l'argent qu'on gagne. Si je fais un partenariat avec une boîte, et qu'on passe l'argent sous le manteau pour que je reverse pas 30% à l'État, et ben cet argent-là, si demain il pop sur mon compte, je me fais baiser. Quand vous faites contrôler. Les contrôleurs, en fait, ce qui se passe, quand on contrôle, quand les mecs de l'État vérifient si ton compte, il n'a pas de l'argent qu'il n'est pas censé avoir, en fait, le seul et vrai moyen qu'ils ont pour vérifier ça, en fait, c'est de regarder l'argent que tu as sur ton compte et de regarder l'argent que tu gagnes. Si sur ton compte, t'as stagné, tu sais, t'as genre... Ils se rendent compte que sur ton compte, tu as gagné 20 000 euros au final, mais que vu l'argent que tu as déclaré, tu n'es pas censé en avoir gagné plus de 3. Et ben ils se disent, il y a un problème là-dedans. Et là, ils te baisent. Mais si l'argent, les 20 000 euros, au lieu de les mettre sur ton compte en banque en France, tu les mets à l'étranger, ou tu les caches sous l'oreiller, et ben ça passe quoi. Et ils contrôlent même le train de vie. Ouais. Et ça me faisait marrer, c'est des mecs qui se font griller parce que bah ils posent entre avec du champagne, du caviar et tout ça au Nouvel An, Ouais, quoi. bah il y en avait un Et comme ça, pourquoi? je me rappelle, j'avais vu un reportage là-dessus, et tu voyais genre le mec était au chômage, officiellement, d'accord? Il touchait le chômage, et genre, et il trouvait ça bizarre en fait, il dépensait pas d'argent en fait. Genre, il touchait l'argent du chômage, et il payait que l'argent de son habitation, tu vois. Genre, si t'enlèves l'électricité et les taxes de l'habitation, il payait rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune facture de nourriture. Rien. Rien du tout.
Et du coup, ils arrivent chez lui, le mec avait une BMW, il avait trois écrans plats 4K. Et ils font, je crois qu'il y a un petit problème au niveau des revenus, monsieur. T'as bon? Comment ça? Je comprends pas de quoi vous parlez. Je touche 700 euros par mois, mais c'est normal les trois écrans plats à 2500 euros l'unité. On va bientôt plus avoir cette map. Je crois qu'il avait déjà enlevé. Ouais. Non, ils vont l'enlever le 17. Pourquoi il l'enlève? Il perd les droits? Ouais, ils ont perdu les droits. Ouais. C'est Ghostface. Oh putain, sur cette map, ça va être infernal. Il est en train de poursuivre quelqu'un déjà. Oui, moi. Je suis pas spécialement attiré par Mélenchon, parce qu'en fait je suis pas attiré par les. Putain, il l'emmène avec moi, j'ai l'impression. Je suis pas spécialement attiré par les extrêmes, honnêtement. Et puis c'est vrai qu'un mec qui t'explique qu'il va. Que son objectif c'est de répartir la fortune et qu'il est pété de thunes comme ça, j'ai toujours trouvé ça chelou. Non, bah, Mélenchon, C'est quand c'est même. les plus gros cons du monde. Non mais c'est quand même ouf de te parler des. En fait, j'ai du mal, je t'avouerais que j'ai toujours cru que pour comprendre une situation, il fallait l'avoir vécue, tu vois. Et j'ai du mal à comprendre qu'un mec qui est aussi pété de thunes comme ça, il t'explique qu'il comprend comment se passe la vie des gens qui vivent au RSA, ou RMI, ou au chômage, tu vois. Je veux dire, tu peux pas être là à dire non mais je prends la première classe parce que sinon j'ai bobo au dos en seconde classe, et après dire je vous comprends, ouvrier, salarié, machin. Non, tu les comprends pas en fait, tu l'as jamais été. C'est compliqué. Je l'ai plus sur moi. Déjà, Mélenchon, il a jamais travaillé de sa vie, déjà. Mais c'est vrai que quand tu dis que le mec qui se considère comme le plus Ah, si, populaire. non, non, non! Ah. Le mec qui se considère comme le plus populaire en fait, et ben en fait c'est le gars le plus riche. Je veux dire, les gens parlaient du fric que Macron a, mais Mélenchon est beaucoup plus riche que Macron. Hein. Beaucoup. Mais surtout qu'ils payent tellement peu d'impôts avec leurs arnaques à la Ouais. con. D'ailleurs, c'était marrant, je sais pas si vous avez vu là, comment il s'appelle c'est Fabrice Laffont. Là, vous avez peut-être vu aux infos ce qui s'est passé. Patrice Laffont. Le mec qui présentait café Pyramide. Pyramide et compagnie. Eh ben, il a le. Comme il a gagné beaucoup d'argent, en fait, il a le plafond de retraite. Et le plafond de retraite, je crois que c'est 4 000 euros par mois, le plafond de la retraite. Pour ceux qui ont vraiment beaucoup, beaucoup cotisé. Et le mec, il a dit, en gros, il commence à parler, il fait ouais, je suis pas spécialement dépensier comme garçon, je vis pas au-dessus de mes moyens, je me contente de. Enfin, il dit, en gros, j'ai une vie simple. Et il dit, par contre, avec la perte d'argent que je vais avoir à cause de la retraite, j'ai peur de finir ma vie dans la rue. Et le journaliste lui dit, mais attendez, vous touchez combien de retraite? Et le mec, il dit 4 000 euros. Et il dit, pour que je puisse vivre convenablement, faut que je touche, faudrait que j'ai 10 000 euros. Je peux pas te sauver en fait. Et dans ma tête, je me dis, sérieux? Il t'a besoin de 10 000 euros pour vivre, mec? Putain. Là, ils vivent avec 1000 balles. Après, c'est vrai. En vrai, tu vis pas avec 1200 euros ou 1000 euros. Tu Tu survis, ouais. vis. Non, mais on est d'accord, hein. Mais tu vois, bah, par exemple, là, je vais te dire, j'ai une amie qui est fleuriste, et à un moment donné, on parlait beaucoup de. Je sais plus qui c'est qui avait cette idée-là, de doubler le tarif du SMIC. Tu sais, de dire le SMIC, il passe de 1200 euros à 2000 euros. C'était un truc comme ça, la règle. Je crois que c'était 1800 net, le SMIC, qui était annoncé par un des candidats. Et en fait, il y avait la nana qui travaillait avec elle. Merde. La nana qui travaillait avec elle, et elle dit, ouais, je veux 1800 euros par mois. Enfin, je vote pour lui parce que je veux. Il a promis de passer le SMIC à 1800 euros. Et la fleuriste lui a dit, mais ce que t'as pas compris, c'est que si demain ça passe à 1800 euros le SMIC, je peux pas te garder, donc t'es viré. Je peux pas payer 1800 euros par mois, 1200 je peux, 1800 je peux pas, quoi. $2900 net, gros Judas? Ce que je te souhaite, hein. Oui, Bah, de toute façon, c'est c'est simple, impossible, tu. ça va créer du chômage encore Bah, plus. en fait, non, c'est juste que ça va s'impacter sur le coût de la vie. Je veux dire, de toute façon, c'est toujours une. Ah oui, dans tous les cas, C'est oui. toujours une blague parce que tu augmentes le salaire des gens. Alors, déjà, si tu mets tous les salaires des gens à 2000 euros, tous les gens qui étaient au-dessus du SMIC avant, genre tu sais, qui vivaient avec 1800 euros, ils vont pas accepter d'être au niveau du SMIC. Donc, les mecs qui étaient à 1800 euros net avant, ils vont demander à être à 2800 net. Donc tu vas devoir augmenter toute la population. Et le seul moyen de combler ça, c'est soit de mettre les gens au chômage, bah soit d'augmenter tous les prix de 30%. Donc du jour au lendemain, bah le truc que tu payais avant 10 euros, tu le payeras 13. C'est comme ça que ça marche, hein.
Pourquoi tu crois Tu la ramasses pas? J'ai pas l'impression. Bah, les employeurs pourront pas, c'est sûr. Ouais, ils pourront jamais, c'est sûr. Et une prime tous les ans. Ah bah voilà, et alors ils sont où les super chats, gros Judas? Non mais oh. Ah merde! N'oublie pas, il s'appelle Judas. Hein. Ah ok, il va l'opposer de moi. Je sais le libérer. Oui, bah oui, hyper stuff, oui. Votez pour moi, je vous file. Ouais, je vais faire ça moi. Je vais arriver et je vais dire, maintenant j'ai une idée. J'ai une idée, on va passer le salaire de tout le monde à 150 000 euros mensuels. Horaire. Salaire horaire. Peut être sympa. Petit salaire horaire de 100 000, 150 000 euros. Bon, le problème, c'est que maintenant la baguette coûtera 2 millions d'euros. Un détail. Fais gaffe, je crois qu'il est pas loin derrière moi, l'instant. Vous êtes à l'étage ou en bas? On est en bas à côté du monde du rêve. Ok. Bon, j'ai fini mon gène, normalement. Voilà. Chez Mitsu. Le gène solo à l'étage, il est déjà bien avancé. J'adore les bruits. Non, bah, c'est Ghostface, on a Ouais, pas. j'avoue. Merde. Va vers le monde du rêve, va vers le totem, mais si tu peux. Je peux pas! Ça y est, hop. Oh putain. T'es loin du totem du gène qui vient de se faire? Voilà. Je vais essayer de prendre des. Je me suis fait une aile doux, dingue. Je suis caché, pas loin de toi. Va à ta gauche, là, va dans la zone, là, je peux te. S'il n'est pas sur toi, je peux faire quelque chose. Ah ben, il t'accroche, j'avais pas vu. Eh oui, parce qu'on m'a pas décroché en P1. Mais j'ai l'impression que le temps d'accrochage est devenu plus long, plus court aussi. Oui, j'ai senti la même chose. Bah regarde, c'était Mitterrand. Mitterrand, il a eu une maîtresse, il l'a foutu ministre d'un truc à la con pendant 3 mois. Du coup, elle touchait une rente à vie. Elle a été ministre, c'est uniquement pour toucher le chômage, enfin la retraite ministérielle, quoi, c'est tout. Ouais, on pourrait dire qu'elle s'est fait les couilles, hein, non? Elle s'est fait les couilles du président aussi. Ha! Il vient de passer à côté de moi, je suis hyper lucky d'avoir. Il est vers où? Est-ce qu'il va vers l'étage? Il était en bas, mais j'ai pas fait gaffe s'il montait ou pas. Ah, viens, Marco, on fait comment maintenant? Ouais, il est à l'étage. Ok. Go, 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 go! Rangers. Ouais, Fillon et ses emplois fictifs sympas, sa femme qui fait travailler pour je sais plus combien. Il y a la sorcière bien-aimée avec moi. Je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Putain, j'ai un retour arrière. Ah bah les prostituées méritent plus mon respect que les politiciens. Allez, ça pistonne, ça pistonne. Alors, est-ce qu'il a un truc pour nous repérer, Cash? Il a un truc pour nous repérer, c'est évident, c'est évident! Bah, tous les tueurs jouent avec Shield, enfin, c'est quasiment impossible de jouer avec Shield. Je passe par le haut. Oh putain! Devine qui c'est que je viens de croiser en étant à l'étage. Ouais, parce que j'ai fait le gène à l'étage tout à l'heure, c'est intéressant. Par contre, l'autre connard, j'aimerais qu'il vienne. Non, la paire. Par contre, c'est marrant parce qu'elle a pas Eh enchaîné les merde! items, elle. Putain, sérieusement, j'ai vraiment pas de bol. Bah, les politiciens sont des truands. J'ai des potes, ils me donnent des leçons sur mon taf alors qu'il n'a jamais bossé de sa vie, ça me rend dingue ça. Ouais. Ça, c'est le pire C'est un peu truc, comme ça. la fille de la voisine qui m'explique comment lasser mes chaussures et comment promener mon chien. Je dis, meuf, t'as pas de chien? T'as 10 ans et t'as pas de chien? Alors tu fermes ta gueule? Tu fermes ta gueule, c'est bon? Et relativement vite. Voilà. La Ferrera qui fait semblant de s'être fait voler au bois de Boulogne alors qu'il est allé voir une prostituée. C'est énorme ça. Le mec, il a pas de. Il Ah, c'est le est meilleur quand bail. même ouf, quoi.
Oh bah elle est rentrée dans ma voiture comme ça, YOLO. YOLO. La question c'est, est-ce qu'il est marié, Herrera? Ouais. Parce qu'aller voir une prostituée quand t'es célibataire, voilà. Bon, quand t'es marié, faut que la dame soit d'accord, mais bon. Ah ouais, d'accord, ça complique un peu tout, tu vois. Eh bien, on se cache ici, mec. Si tu veux, il y a une trace de sang partout. Attends, elles vont disparaître. Ah putain, l'autre, elle se fait stalker. Bouge pas. J'espère qu'il a pas vu les traces de sang. Non, c'est bon. Vas-y. Après, sa femme peut-être d'accord pour qu'il se tape une pute, hein. Oh là, j'ai frisson. Non, c'est bon. Quand il va nous popper sur le coin de la gueule, ça va me faire bizarre. Bah, on verra la sorcière passer avant, je pense. C'est bon. Ah putain, je le vois pas, du coup. Putain, mais mes auras marchent pas face à lui, c'est hyper relou. Merci. T'as fait le gène de l'étage, tu dis? Ouais, le gène là. Il est pas fini? Non. On peut pas le faire, là, il va revenir. Non, vas-y, fais-le, je vais faire le garde. Ok. Tu en garde. Quitte pas. Il a combien de pourcents à peu près? 20% là. Ah oh, bah laisse tomber. L'abandon. Non, c'est-à-dire qu'il revient dessus tout le temps, il leur tape tout le temps, donc ça sert à rien. Ouais, parce que c'est le plus dur à garder, non, généralement, celui-là. Il reste tout le temps près de nous. Il va tellement arriver sur notre gueule là. Ça va être violent. Je suis plus là. Hein. Ah, je sais, je me suis barré parce que. On va parler comme ça. Je me suis déjà barré là. Ah, il y a un gène ici. Attention, alors je m'approche gentiment. Faut pas faire de bruit parce que là, je pense qu'il est dans sa période de séduction. Chez les tueurs, la période de séduction, ils prennent la lame et ils l'enfoncent profondément dans l'anus du partenaire. Il faut jamais déranger l'accouplement. Ah oui, il a dit que c'est fait voler, mais c'est la blague quoi. D'un côté, un voleur est volé. Hein. Bah alors, il vient ou pas? Ah non, il vient pas. Putain, en fait, ce gène-là est tellement au milieu que c'est compliqué. Oh putain. J'arriverai pas à le finir. T'en as commencé un, là? Je suis à 50% du mien. Ah, t'es tapé? C'est un documentaire animalier spécial, ouais. Je suis à 3 quarts, il arrive. Bah moi je suis dans mon direct, je me souviens. Bah non, il vient pas en fait. Ah! Putain, les frissons tout le temps, c'est relou! Ah, est-ce qu'il doit tourner en rond? Il arrive. Ouais, il va durer 2h30 le Spider-Man. Il monte. Allez, vas-y, c'est parti pour la course-poursuite. Je rapproche mon totem. Attends, il m'a pas vu là? Si je m'en suis sorti, c'est chaud. Eh ben, je suis sorti. Sur l'étage. Il doit plus l'être là. Ok, il est en bas. Je crois qu'il va commencer à remonter là. Non, il cherche. Putain, merde, je sais plus. J'ai cavalé donc je vois pas. Ok, je vois où il est. J'ai tellement cavalé que je sais plus où était le gène que je faisais.
Fait chier, j'étais aux trois quarts du gène quand il est arrivé. C'est là que j'aimerais bien un plan pour savoir où sont les gènes. Ah. Salut. Je regarde à ma gauche, derrière, ok. derrière moi à gauche. Moi je regarde à ma gauche, face à toi. S'il arrive derrière moi là, oh, tu vas entendre hurler. Attention. Je vais dans le vieux. J'ai le frisson. C'est pas. On va finir avant. Hop, va par là-bas. Salut! Waouh, comment il a fait pour nous fail? Ah. T'as damned, il nous reste un gène à faire, j'avais pas vu. Ah. Fais chier. Dommage. Je suis con, j'aurais dû me barrer, c'est vrai que j'avais le sang. J'avais oublié que j'avais le sang, j'aurais dû me casser comme un gros con. Il te cherche là. Ah non, il vient de péter mon totem, bâtard. Du coup, je peux plus me soigner. On dirait des scènes dans les films et séries où le héros a une cachette nulle et le méchant a un doute, mais plutôt que de vérifier correctement, il se barre comme un con. Ouais, ça arrive souvent, ça, Aurélien. Après, c'est pas forcément évident parce qu'il doit regarder vite et plus il attend, plus il a de chances de nous perdre, tu vois. Parce que s'ils nous cherchent à un endroit et que nous on n'y est pas, là on est tranquille, je pense qu'ils ont déjà fait le gène donc ils devraient pas venir. Ouais. Après, c'est qu'on est là. Vas-y. Attends, viens, on va là-bas. On va gagner notre temps à ce que j'enchante le totem. Vas-y. Waouh! Il est là. Ah là, il nous regarde. Regarde-le. Faut que tu. Garde le contact visuel. Ah putain. Bon voilà. C'est fait. On était un peu bloqué là. Ouais, j'espérais qu'il vienne pas par là. Dommage, je vais essayer. Parce que vu que j'enchante le totem, on peut soigner tous les deux à. Ouais, j'avoue. Deux fois en même temps, donc ça va deux fois plus vite. Bon, ça va, on s'est pas trop mal démerdé. On a perdu très vite notre maillon faible en plus. Putain, j'ai aucun défi. Attends, on va voir. Est-ce que j'ai gagné des trucs là? Ouais, progression du rang, youpi, putain, hein, un truc de l'autre pipe, quoi. Un peu là. Bah attends, je vais faire un truc, parce que j'ai toujours pas fait de... J'ai pas mis de défi. C'est quand même con. J'ai pas assez de points de sang, j'en ai qu'un million, tu vois, c'est un peu chiant. Alors, attends. Terminer la réparation de deux générateurs. Je devrais m'en sortir. Vous êtes toujours en game, là? Ouais. Tu mets Shigaraki... Tu mets Shigaraki dans un jeu vidéo, il ruine la game à chaque fois en détruisant tout. Ouais. Bah, de toute façon, Je trouve que c'était déjà le cas avant, dans l'idée, hein. Il a quand même un pouvoir qui était overpété, sauf qu'il le maîtrisait pas spécialement. Mais là, tu vois, je m'attendais presque à ce que les missiles soient détruits avant d'arriver jusqu'à lui. Tu sais, genre, elle fait le truc d'atmosphère et puis elle jette les missiles sur lui. Et à ce moment-là, en fait, lui, bah, avec son truc, comme il a plus spécialement besoin de toucher directement vraiment, c'est-à-dire il touche l'atmosphère, ça marche aussi en théorie. Et ben, je me suis dit, ils vont se dégrader avant d'arriver jusqu'à lui. Et elle va être là, elle fait « Prends ça !» Bah merde, ça pète pas. Ça aurait été marrant. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on se fait laver, mais tu pads quand même, du coup, le jeu estime que bravo, tu as réussi ta game. Ah, c'est ça. Bah, c'est le problème, c'est qu'ils ont jamais vraiment équilibré, et puis j'ai l'impression que encore une fois, on se répète, mais
plus on avance dans le... plus le jeu progresse, et j'ai l'impression que moins les héros sont avant... Enfin, c'est pas qu'ils étaient avantagés avant, mais plus le méchant est avant, plus les tueurs sont avantagés, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, le coup des trappes, là, c'est abusé. Honnêtement, le coup des trappes, c'est abusé. Mais même... Ouais, parce que les tueurs se sont plaints à les écouter que les quatre survivants se barraient tout le temps par la trappe quand les générateurs étaient finis. T'as l'impression que c'était tout le temps. Faut vraiment être pas doué du coup hein, pour que ça arrive. Parce que en plus tu vois les mecs ce qu'ils ont dans les mains. Donc s'ils ont une clé, tu mets le truc pour faire tomber les trucs et je peux dire que c'est hyper relou de les chercher. Hein. Parce que quand tu t'es fait taper par le tueur pendant que t'étais en train de te balader en vadrouille pour essayer de l'éviter, savoir où est-ce que t'as perdu les clés, faut y aller quand même. Bah ça va, mais surtout qu'au bout d'un moment, la clé se détériore toute seule, elle se détruit toute seule au sol, et ça, Ah c'est... ouais? Non, genre... Sérieux? Ouais, bah. Oui, la chute de Franklin, c'est pas que perdre ton objet, c'est qu'au bout de genre 60 secondes, l'objet perd 1% toutes les secondes, en fait. Oh, ah d'accord, ouais. Ah, c'est abusé, quoi. Et puis il y a eu ça, il y a eu le truc aussi où ils ont décidé de mettre une sorte de timer à partir du moment où le tueur niquait la trappe, tu sais. Ce qui est pas forcément illogique, parce que faut pas non plus, sinon tu passes ton temps à attendre, tu fais 3%, tu te barres, tu fais 2%, tu te barres, tu fais ça en boucle, et voilà. Je peux comprendre, même si je trouve que le temps est hyper light, quoi. Mais là, par contre, ce nouveau truc à propos des trappes, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Ouais, très clairement. Mais je me demande quel est le ratio d'attente. Genre, est-ce que les tueurs attendent aussi, comme nous? Ou est-ce que les tueurs trouvent instantanément une game? Pas instantanément, mais c'est beaucoup plus rapide. Hey, t'as vu, les Éternels ne sortira pas en Arabie Saoudite, au Koweït et au Qatar, parce que la raison, c'est que Disney n'a pas voulu censurer le couple homosexuel qui est présent dans le film. Mais moi, en fait, on a parlé tellement en mal du film. Je veux dire, tous les gens qui ont été le voir, ils m'ont dit c'est moyen, voire nul. Alors, j'ai pas vu, hein, donc je fais que me baser sur ce qu'on m'a dit, mais c'était pas, ça me donnait pas envie, tu vois. J'ai eu les trucs et j'ai fait, ah, ok. J'ai dit, t'es sûr que tu veux Ah qu'on aille ok. voir, t'es sûr qu'on passe 2h50 dans une salle à voir un film qui a l'air pas terrible? Vous l'avez pas vu? Tu as pas vu, Tita? Non, je ne vais plus au cinéma depuis 1782. Ça date? Comment ça fait long, monsieur? Et t'es allé dans quelle salle de cinéma avant ça? Parce que on connaît pas des si vieilles. La Non. RTF, t'es. On m'en a parlé tellement mal, en fait, on m'a dit que le film ressemblait pas à ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans les Marvel. Alors je dirais que c'est un peu le cas déjà depuis que Disney a repris le flambeau, enfin depuis que Disney a fait des Disney Plus. Parce que je vois pas trop en quoi WandaVision ressemble au Marvel, par exemple. Mais on m'a surtout dit que s'il y avait une énorme période de creux chiant au milieu du film, quoi. Et autant je trouve que par exemple dans un film comme bah Black Widow, Black Widow, il y a un moment creux hein, à un moment donné dans le film, mais c'est un film d'une heure et demie, donc le moment creux dure 10 minutes, ça passe. Dans un film de 2 heures et demie, si t'as un creux, ça peut être un truc creux de 30 minutes, c'est un peu chiant quoi. Non, je vais pas voir le film Resident Evil. Déjà de base, il me donnait pas envie, en dehors du truc, le casting me donnait pas envie. Ouais, il donne pas envie de casting. Je sais pas pourquoi, mais dans les films et les séries, j'ai l'impression que les méchants sont super puissants et les gentils sont beaucoup moins. Bah, sauf dans merde, Mado, aide-moi. Comment elle s'appelait? Comment? Inca? Non. Idaten. Sauf dans Ouais. Idaten, voilà. Sauf dans Idaten. Dans Idaten, les méchants, ils se font rouler dessus dès le départ. Ils font. Oh, c'est instantané, ça, j'avais pas prévu. Le flic Black Panther, je l'ai vu, ouais. Moi, je l'ai pas vu, mais... Bon, il est... Moi j'ai Disney Plus donc je me suis rabattu dessus là-dessus quoi. The Boys saison 3, t'as le temps hein, parce qu'elle était en tournage encore. Je crois que c'était. Le tournage date de la moitié de l'année, c'est genre mai quoi. Et en général, il s'écoule au moins 9 ou 10 mois avant la sortie. Ça a même pas été annoncé encore. Donc, enfin, ils ont même pas annoncé donc tu peux être sûr que ça arrivera pas avant mars 2022. Hein. C'est tellement lent. Et c'est pareil, il y a eu dans le même ordre d'idée un truc que j'aimais bien, c'est Umbrella Academy. Umbrella Academy, c'est pareil, ils ont commencé très tard le casting, quoi. Enfin, très tard le tournage. D'ailleurs, il y a les comics qui sont sortis là, Umbrella Academy. Enfin, qui sont peut-être été réédités, mais Oui, parce que que j'ai vu ça avec Umbrella il existe. y a pas longtemps.
Je me demande si ça suit vraiment le comics ou pas, parce que je sais que The Boys, ils s'en inspirent, mais qu'ils se permettent des largesses assez dingues. Ouais, là, c'est pareil, ils s'en inspirent, genre... C'est pas plus mal, hein. Viola, ça, là... Ça, c'est mieux, hein, ça enlève le côté... Ah, mais c'est pas pareil. Ouais, Viola, par exemple, elle s'est embrigadée par des psychopathes complotistes de la fin du monde, et c'est eux qui la transforment en arme capable de tout détruire, enfin. Viola. Je sais plus comment c'est... s'appelle la meuf télékinésique. Ouais, d'accord. Ok, celle qui a un pouvoir complètement overcheaté, là. C'est ça. Elle l'a de base, mais en fait, elle fait une opération pour devenir blanche, je sais plus quoi, qui est un gros rack. Elle se fait arrêter par une putain de balle en pleine tête par numéro 5, quoi. Mais vraiment, le... Pouf, fini. Ah, elle meurt? Non. D'accord. D'accord, y'a pas de... Moi j'avais vu The Boys, c'est marrant parce que tu vois la scène de The Boys dans la saison 2 où il y a les trois nanas qui défoncent. Je sais plus comment elle s'appelle la meuf. Ouais, la nazie là. Voilà, bah en fait c'est les trois mecs qui le. C'est les trois mecs qui regardent qui normalement la défoncent. Puisque les mecs ont tous un pouvoir. Ouais, mais je trouve que la scène elle était bien faite donc ça m'a pas choqué dans la non, série. Non, ça m'a pas choqué non plus. Contre, dans Avengers, quand ils ont fait le Girl Power, oh, c'était à vomir quoi. Ils ont fait un Girl Power dans Avengers? Ouais, dans le dernier Avengers. Ouais. Oh, c'est grossier, mal fait, et c'était n'importe quoi. Merde, je me rappelle pas. Et au moment où t'as toutes les meufs qui se rassemblent à un moment donné. Ouais, pour donner le gantelet à Tony justement. Ah, j'avais même pas fait gaffe que c'était que des meufs. Ah bah si, parce qu'elles le disent. Hein. Allez les filles, maintenant c'est à nous. Ah putain, c'est tellement ridicule. Non mais le truc dans l'eau t'as la meuf de Ant-Man, tu sais, qui elle va faire quoi à part se rétrécir. Ouais mec, j'ai vu le film il y a des années. Hein. Endgame, je m'amuse pas à le revoir tous les matins. J'ai regardé, il est bien, mais c'est vrai que... Attends, quand t'as eu Infinity War, je suis désolé, Endgame est en dessous. Oui, oui, mais je veux dire, par contre, l'émotion à la fin est énorme dans Endgame, par contre. Genre à la fin. Ah, je sais pas, gros Judas, moi, les gens avec qui j'ai parlé, il y en a aucun qui est journaliste. Hein. Et genre, tu vois, par moi, je peux pas y aller, là. Parce que bah, faut que je garde ma fille, ma femme est pas forcément là en même temps. Les dispos font qu'on a dit, on le regardera le week-end prochain. Et du coup, bah, j'ai des gens qui y sont allés. Et comme moi, le film m'intéressait, je demande l'avis. Et genre, tu vois bien... Alors, ils arrivent pas en disant, ça pue la merde. C'est pas ça. Par contre, tu les sens hésiter avant de répondre, quand tu demandes s'il est bien. Ils sont là... Genre, la meilleure réponse que j'ai vue pour juger le film, c'est « ça va ». C'est la meilleure réponse que j'ai vue, c'est « ça va », quoi. Mais aïe. C'est qui ? Le clown. Putain, l'autre jour, on a fait une game contre le clown qui allait à... qui one-shot. Insupportable. Ah, je vous. Ah, 15 secondes sur un film de 2 heures, je l'oublie. Hein. Infinity War, c'est lequel déjà? C'est l'avant-dernier. Ah ouais, bon, il était sympa. Justement, il a plus d'action. Ouais, il a plus d'action, il est plus rythmé, il est plus sympa. C'est vrai que le début de Endgame, il est lent, il est mou, il est chiant. Il y a quelqu'un qui va vers toi, Mesto, ou pas? Je regarde. Non. Je suis à 90% de mon gène en fait. Non mais fais. Attends, sérieusement. Ma sorcière vient me chercher donc c'est bon. C'est parfait tout ça, c'est parfait. Après Endgame, moi je l'ai vu au cinéma et franchement c'était plaisant, mais c'est vrai que le début, au bout d'un moment, tu fais ouais, on peut passer à la suite. Vite, putain, mais tu vas tellement lentement là, sans déconner. Pff, oh, mais vas-y, autant m'arrêter hein, quand je me fais toucher par les toxines, c'est plus simple, hein, on gagnera du temps. Hein. Attention, suspense. Ok, bon, j'ai pété la ruine, je passe à ça. Ah, c'était ruine. Bah j'ai une mémoire sélective, Mado, c'est pas vraiment un détail qui est super important pour moi. Oui, bien sûr, moi. Et en plus je te dis, c'est un film que j'ai vu une fois dans ma vie. C'est pas comme si tous les soirs je me disais, allez hop,
On se refait l'épisode. On se refait le film. Civil War, ouais, il était sympa, Civil War. Bah ça t'a plus marqué que moi, Mados, hein. Mais c'est comme le foot, hein. Des fois, je fais des reviews sur le match, et puis je dis, c'est passé ça, et le mec fait n'importe quoi, c'est pas arrivé, par contre, t'as pas parlé de ça. Et je sais, bah l'action dont tu parles, je m'en branle, et elle m'a pas marqué, alors que celle-là, oui, tu vois. Attends, bougez, parce que je crois que je l'ai ramené, à moins qu'il y ait quelqu'un qui est dessus. Ah ouais, Tita. Non, j'ai fait exprès de le reprendre. Ok, d'accord. On va essayer de bouger un peu. Mais putain, Dédar qui fonctionne jamais. T'étais dans le truc violet ou quoi? Non. Ah, ah non, non. Comme le baisement pour certains viewers. Tu ralentis le Dédar quand la popo est tout. Je crois même pas de quoi tu parles. Mais Stone nous fait pas gagner là, non? Première game, quel bélou. Deuxième. La première game, j'ai pas vraiment joué, tu vois. Ouais, je me suis fait tunnel instantané. Bon. Ah. Oh, mais lâchez-moi les tueurs, non? Je sais pas. L'autre qui s'en fichait du baisement dont tu parlais sur Twitter. Quelqu'un qui vient de détacher? Ah oui. Putain, je comprends même pas de quoi tu parles là, honnêtement, Mados. Ah oh, putain, l'enculé revient tout de suite. Ah oui! Ouais, n'importe quoi. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Le mec me dit, ça a pas d'incidence. Le mec imposait le fait que c'était pas arrivé. Je suis pas en train de te dire que c'est pas arrivé dans le film Marvel. Je te dis juste que j'ai pas... Que dans le film Marvel, j'ai plus retenu la mort de Tony Stark qu'autre chose. Oui. La mort de... Spoiler. Spoiler alerte, alors qu'il est sorti en 2019, le film, il s'agirait de le voir. Yo, salut Rafik. Te barre pas, foiré, va. Mis dans la merde. Hop. Bah tu te fous de ma gueule ou quoi? Pas toi. Toi. Le gars. Et il arrive même pas. Ah ouais, d'accord. Putain, mais... Si, ça devait être toi qui étais à côté de moi du gène. Bon, il y a un gène un peu au milieu, oui, je vais essayer moi, de le faire. Je me suis dit... Bizarre, pourquoi il se barre? Ça servait à rien de forcer le gène. Ah, pas mal, Leito, j'apprécie. Pourquoi tu es passé de PG Marco à joueur du grenier sur le Discord? De quoi son nom? Ouais. Regarde, enfin, si tu... dès que tu pourras. Il y a Leito, il a mis une photo. Oh putain! Quand camping? Non, c'est même pas camping en fait, c'est que l'autre. L'autre PU veut forcer le putain de gène qui est bientôt fini, du coup le tueur revient en boucle dessus. En gros, le tueur il joue sa game, hein. Il campe pas. Ouais, voilà, il fait gaffe que son gène se voit pas remis. Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, s'il campe pas quand même, hein. Mais là, c'est parce qu'il y a le PU qui s'est montré. Le PU, il est bon, je vais y aller quand même. Pas Boro, Marco, laisse-moi. Bah, dépêche-toi parce qu'il meurt là. Dépêche-toi, je suis mort là. J'y vais, je cours. Mec, c'est trop tard. Et là, tu peux dire que t'es responsable de la mort de Tita. Hein. Ah, bien joué. Il est chaud. Merci, mon cher Skyfric. Bisous à toi. Dégage, le PU. Hey, spoiler alerte, mec. Attends, c'est-à-dire que le PU, il est sur son gène plutôt que aider à remonter? Non, mais en fait, il est là. Bien, wesh. De rien, bien, wesh. Wesh, je me suis sacrifié pour ça, hein, mais... T'aurais pas dû, t'aurais Attends, s'il s'éloigne... Ah si, le move était beau, je suis désolé. Mais le move était beau, mais du coup tu meurs. Attends, c'est pas fait encore. Ah si. Si. Il est mort. Il est accroché à un mètre. Il y a le train de live sur son live. À qui? À moi? Non. J'avoue, le move était beau, mais c'était peut-être pas le moment. Le bruit du clown, il me fait... Il me termine. Bon, on est caché, avec un peu de chance, il me verra pas. Le mec a fumé au moins 20 paquets de clopes. Par contre, ce que j'adore, c'est qu'on est cendre, argent, or, et on tombe contre des red rank.
Normal. Ah mais, ça, c'est... ah mais le matchmaking, ah mais il a toujours été comme ça sur DBD. Ouais mais justement ils étaient censés l'avoir amélioré en fait avec un MMR caché pour les tueurs. Eh bah lol, mais en fait c'est un MMR par tueur donc ça se trouve tu changes de tueur et puis yolo. Je sais qu'il y a des gens qui le font exprès de changer de tueur pour justement... oh j'ai galéré contre des bons joueurs, allez on se fait une petite game avec un tueur que j'ai pas l'habitude. Même si t'as pas l'habitude du tueur, tu défonces les noobs quoi. Bon je vais finir par faire le gène que le PU voulait faire absolument. Sans pression. En train d'en faire un à l'autre bout. Bien sûr. T'es joueur du grenier. Maintenant, vu que ce Camille est tôt sur Discord. Quoi ? Je suis le joueur du grenier ? Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est énorme. Non, me casse pas la tête, vas-y. Je raderai après. Non. Non. Refuse. Ah bah putain, j'arrive et le jeune est fait. Fais chier. Vas-y. Eh ouais, c'est parce que je suis trop rapide pour toi. C'est pas grave. Plus qu'un jeune à faire. Il y a moyen de moyenner quelque chose là. C'est à cause de. Blaire, le PU, c'est à cause de toi que t'es mort. Ah, le doigt dans le cul, sérieux. Le toucher rectal, pas cool, franchement. C'est un petit plaisir. En plus, j'avais la gastro là, c'est vraiment pas une bonne idée pour toi. Ouais, c'est pas faux. Il est tellement focus sur lui qu'on pourrait passer à côté de lui et faire salut. Genre, on a fait le gène à côté de lui, y a pas un moment où il a regardé à gauche, tu vois, pour se dire, y a peut-être quelqu'un. Il est fait, tu vois. Y en a un au milieu que j'ai pas pu finir tout à l'heure. Et qui, à mon avis, est au début maintenant. Il est un petit peu encore là. Ah oui. À 10%. Ah bah, c'est pas ma faute, Mitsu, c'est lui. Hein. J'ai pas choisi d'avoir la gastro et j'ai pas demandé à ce qu'il mette un doigt dans le cul. Hein. Il nous arrive tellement sur la gueule. Ouais, il a chili barbecue, l'enfoiré. Qui t'a vu partir à... Ah non. Va voir l'autre, là. Mais pourquoi... Ah non, il revient. Sérieux, c'est quoi cette campouse? Ah, cher. Bah vas-y, fais le gène, il est toujours là, il est toujours devant le mec. Hein. Je te dirais s'il se barre loin. Là, il est toujours là. Hein. Il a peut-être Noed, hein, c'est peut-être pour ça. Hein. Ouais. Ah, attends, je vois bouger. Normalement, quand il campe... Il arrive. Ah bah vas-y. Vas-y, Valdé où ? Il est sur toi, mais toi. Je l'ai vu. Fuis, il revient. Et bah oui, il revient. Mais bouge ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle veut un câlin ou quoi ? Non, vous voulez que je la soigne. Je peux pas la soigner, là. Voilà, évidemment. A toujours Marco qui se prend des coups. Il est à mon cul. Putain ! Viens pas vers le générateur, c'est tout ce que je te demande. Non mais du coup, il est DS. Fais chier. Tu as déjà été tueur récemment ? Non. Ah, tout bouger ! Vu que tu mets les doigts dans le U. Ouais, on aime ça. Hein. Il s'approche de nous en mode coucou. Putain, j'étais pas loin de me libérer, sérieux, c'est un peu dommage. Hein. Alors pourquoi le joueur du grenier ? Non, ah merci. Mais lol, t'as mis la photo du joueur du grenier à la place. Hop. Il part de toi, quoi. Non. Il faudra arriver en fait à ouvrir la porte qui est à côté de Marco. Hein. Hop. Ah, il va camper à côté de moi, regarde. Oh là. Ouais. Regarde ça. S'ils arrivent à ouvrir la porte et à faire un décollage. Alors faut bien qu'il revienne sur moi parce que imagine s'il est à plus de 10 mètres de moi, je pourrais. Rate ça, comment il revient. Mais c'est quoi? Mais sérieux, ça me tue les tueurs comme ça. Je veux dire, est-ce que le mec gagne de l'argent quand il fait. Quand il tue quelqu'un? Va falloir que t'ailles libérer. Hein. Mais sauf faut que t'ailles libérer. Et il revient. Tape, Mogul, tape. Tape. Pourquoi tu tapes pas? T'as des fakes décrochage. Je peux pas. Je vais mourir, les gars. Oui, mais. Ouais, c'est lui, il avait pas décroché. Il avait tout le temps de décrocher, cet enfoiré. Ah, je suis pas sûr. Oh.
c'est moi qui vais mourir comme un schlag, hein, bien sûr. Il la poursuit. J'arrive. Ok. Bah, à l'opposé. Fuis vite, hein. À l'opposé. Non, bah non, tiens. Attends, la porte, la porte, la porte, la porte, la porte. Ouvre, ouvre. Je soigne comme ça, si au cas où il revient. Il arrive. Dépêche-toi à la porte. Dépêche-toi à la porte. Protège-moi, protège-moi. C'est pas grave. Deux trous du cul. Mais pourquoi pas? On pourra pas vous tuer tous les deux, hein. Dico, cours Marco, fuis, fuis pour... Vite, vite, vite. Allez, rampe, rampe pour ta survie. Rampe pour ta survie, hey. Vas-y, vas-y. Non. Débat-toi, il aura plus le crochet. Il aura plus le crochet à côté. Et t'inquiète, il y a un crochet à 2 mètres à tous les coups, rate bien. Mais débat-toi quand même, le cas où. Eh, allez, t'as vu mon sauce, cours pour ta vie. YOLO, YOLO. Après le bus, il y a une palette, tu la poses direct, pose la palette. Droite, à droite. YOLO, je rate pas dire. Il va me tuer. On refait la même, mec. Ouais, mais sauf qu'il a été, on est plus loin de la porte. Ouais. L'autre porte, il y a peut-être pas moyen. Allez, vas-y, spam, spam, pomme. Allez, allez. Ah, putain. Dommage. Ah. Une seconde après, c'était nickel. Dommage, on sera bien battu. Et en attendant, le PU est sorti. Ah oui, je vous fais ce qu'on appelle un enfoiré. Vraiment qu'il fasse un truc pour Chili, quoi. C'est insupportable. Je suis d'accord avec toi, Chili barbecue, c'est... Et pourquoi? T'as raison, il y a aucun cendré chez nous, mais on affronte des cendrés. D'ailleurs, ça me troue le cul, quoi, franchement. En fait, on a un or. un or, yes. Et déjà, si Chili barbecue donnait pas des points de sang en plus, il y aurait déjà moins de gens qui le prendraient. Juste ça, ça paraît pas grand-chose, mais déjà, tu fais en sorte... Et même, j'irais plus loin. Des fois, il y a des techniques qui sont un peu pétées, comme celle-là. Moi, je mettrais un malus de points de sang, carrément, quoi. Pas énorme, mais tu mets 10% en moins de points de sang, comme ça t'es moins tenté de prendre les trucs overpétés, quoi. Ouais, mais surtout que c'est pareil, même s'il voulait mettre des points de sang, mais tu mets pas 100% en plus, quoi. C'est-à-dire que le mec, il fait sa game à 30 000, on lui redonne 30 000 points de sang derrière, c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est n'importe quoi, c'est abusé. J'ai été dans toute sa splendeur, les gars. Ouais, j'avoue. J'ai encore ma petite fleur d'Among Us sur moi. Je sais pas si demain je le commencerai tôt ou pas le live, parce que comme je vais quand même me pointer à... Pas forcément, je vais pas aller à l'appareil manga spécialement, mais après, genre vers 17h, je vais arriver, j'irai à la porte de Versailles pour croiser les gens, et puis je ferai un appel à ce moment-là sur le Discord. Pour qu'on boit un coup, et puis après, j'entrerai gentiment, mais je sais pas à quelle heure je vais rentrer, du coup. On verra à quelle heure on commence le Among Us. T'es là demain, toi, Tita? Among Us, oui. Paris Games Week, non. Ah, oh, c'est Paris Manga. Paris Games Week, oui, je parlais de la Among Us. D'ailleurs, je vais faire le ping tout de suite. Bon, mais sûr, je te demande pas. Si t'es là ou pas. Si on était là. Voilà pour rager. Donc demain normalement je fais la vidéo sur GTA. Putain, j'ai deux vidéos en cours pour le manga que j'en ai une que je veux poster dimanche. Je sais pas encore laquelle je vais focus des deux. Voilà. Problème. C'est chaud, ils font encore des DLC sur Xenoverse 2. Le jeu il est sorti en 2016. T'inquiète. Après, si tu vas à la Paris Manga avec des potes, j'imagine qu'ils aiment les mangas. On peut se retrouver ensemble et parler de manga. Ça, c'est pas interdit. Hein. De toute façon, ça sera un petit truc. Hein. Je resterai pas 4 heures sur place. Hein. C'était
c'est pas comme ta rencontre abonnée. Oui, là, c'est ma rencontre abonnée. C'est genre, je vais venir sur Paris parce que c'est bien, ça me changera les idées. Et puis Porte de Versailles, c'est plutôt cool l'endroit, tu vois. C'est pas, il y a des endroits à Paris, c'est pas forcément agréable de se balader. Porte de Versailles, c'est plutôt sympa et c'est pas loin de chez moi. Du coup, je vais à Porte de Versailles. On se boit un coup, on se boit un coup ensemble dans un bar. Et puis après, on reste une heure et demie. Et puis voilà. Tu vas faire. D'ailleurs, dernière fois, le bar était sympa, mais sans déconner, le coin niveau circulation, c'était un enfer. Ah ouais, ah, t'es venu en voiture, c'est vrai. Paris, c'est vraiment. Enfin, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé sur Paris, hein, je sais pas pourquoi je veux plus y aller, quoi. Bah, Porte de Versailles, ça Dis va parce que aussi. t'es aux portes de Paris. Alors que c'est vrai que là où on était dans entre guillemets dans le centre de Paris, donc forcément c'est horrible quoi. Mais si t'es un peu pas expatrié, c'est pas le mot, mais t'es un petit peu à l'extérieur, excentré, ça va. Si t'es un peu excentré de Paris, genre tu vois, port Expatrié. d'Italie, en fait toutes les portes, vu que c'est les frontières de Paris, toutes les portes, port d'Italie, port de Versailles, port de Châtelet, c'est des trucs où il y a, je vais pas dire qu'il y a pas grand monde parce que c'est une blague, mais tu tournes pas 3 heures pour trouver une place dans ces endroits-là. On préciserait que tu es une chaîne gaming. Ouais, bien sûr. Normalement, d'ailleurs, demain, la vidéo sera sortie sur GTA. GTA 2, c'est le meilleur GTA. Je veux rien entendre. Le 2? Sérieux? Ah oui, la vue par-dessus était géniale. Suis pas convaincu. Je suis pas convaincu pour moi. Bof, quand même, hein. Ah, mais Bon, c'était un GTA mépris de 3. jeu. GTA 3, ouais. Mais non, GTA 3, c'est la troisième personne, c'était horrible. Le GTA 2, je crois que c'est un des seuls GTA que j'ai vraiment jamais fait. Parce que j'ai joué au 1 et comme le 2 était quasiment un copier-coller du 2, enfin du 1. Alors, ouais, mais ils ont rajouté quand même énormément de Ouais, choses qui c'est étaient vrai. intéressantes. Et même niveau graphisme, tu sens quand même la différence entre les deux. Hein. Je vais te dire ça, Mitsu, après le live, j'irai voir. Par contre, ce que je trouve ouf, c'est que dans le 1, il y avait les motos qu'ils n'ont pas mis dans le 2. C'est vrai? Mais le truc, c'est que les mo dans le 1, les motos, tu passais ton temps de suicider Mais avec. grave, avec la caméra comme ça, tu bombes, tu bigues les voitures. Et dans le 3, ils les ont pas mis parce qu'ils ont pas réussi à les développer à temps. Dans le 3, elles sont pas non plus. Vu que la vidéo porte sur GTA 3. Mais tu vois, par exemple, j'aimais bien dans GTA 2, c'était le côté des gangs. Où tu avais les trois gros gangs dans la ville. Et quand Je tu faisais un reconnais, truc ouais. pour un des gangs, bah lui, il t'aimait, mais un autre gang te détestait. L'idée était bien, j'aimais bien moi. Et plus t'étais aimé par un gang, et plus tu pouvais faire les missions difficiles. T'avais trois missions rouges des gangs à chaque fois. Enfin, je trouvais vraiment ça très sympa quoi faire. Il y avait trois maps différentes aussi dans GTA 2. D'ailleurs, sur la première. J'aimais bien dans GTA 3 l'idée d'avoir qu'une seule map qui s'ouvrait au fur et à mesure du jeu. Peut-être qu'il se débloquait au compte-goutte. C'était cool ça l'idée. Ce qu'ils ont refait à la base pour GTA 5. Ils l'ont refait pour GTA 5? Tu peux pas te balader comme tu veux au début? Je t'avoue que j'ai jamais essayé de. Tu sais, j'ai suivi le truc Ah, d'émission. moi je suivais l'histoire, mon frère le faisait et au début il avait pas toute la map. Ah. Mais dans GTA 2, ce qui faisait marrer, c'est que la map 1, t'avais que le GIGN au maximum. Sur la map 2, t'avais le FBI au maximum. Et sur la map 3, t'avais l'armée. Ah donc ça, t'avais maximum 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles? Ouais, c'était 4, 5, 4, 5, 6. 6, ouais. Sachant que le 6 était intenable. Hein. Chasseuse! Oh, vas-y, on peut pas changer de jeu. Oh, les mêmes. Putain, je déteste ça parce qu'en fait, je sais pas si elle est en haut ou en bas, j'ai frisson. Elle était en haut il y a Il... quelques secondes. Ok. Le problème de la chasseresse, c'est tu Elle est sais en jamais où bas. elle est. Ah. Je saurais pas Il y a un l'expliquer, tu propanda vois, qui se enfin. la mange là. Ah, propanda, mais il était AFK, c'est pas possible, elle lui a mis deux baffes comme ça, tac tac. En fait, généralement, le premier coup, ils mettent la hachette. Deuxième coup, Oh ils mettent non! un coup de hache. Yarwin. Putain, il est juste à côté de moi. Ah non, il n'y a pas ruine. J'ai pas fait gaffe. Ah, il y a Non, pas il essaye de se suicider. Ah, il fait semblant là. Elle est à l'étage. Allez, concentration. Des vidéos, je veux. J'attends le plus Putain. FF10. Ah, faut attendre un peu là parce que je suis sur d'autres vidéos en ce moment, mais c'est prévu.
Elle est sur toi? Ouais, je suis en bas. J'essaie de survivre. Ok, je suis dans le truc, hein, le cul-de-sac. Ah, là, je suis à droite de la personne qui a interprété son gène. Oui, c'est bon, c'est pas moi. Je l'ai perdu. Et elle va aller sur le gène pour le taper, je pense. Ok, je crois qu'elle va monter. Ah, ça dépend, Seb. En espérant que la qualité soit au rendez-vous, que ça vous plaise. Et là, normalement, je fais une vidéo. Ouais. J'aimerais bien faire une vidéo mauvaise foi sur. Sur bah, t'sais, le trailer mauvaise foi sur Mario Party, mais il faut que je trouve des gens pour jouer avec moi. Et d'ailleurs. Je redescends. D'ailleurs, normalement, Johan vient à la maison le week-end prochain. Je vais peut-être voir si ça l'intéresse de faire ça avec moi. Non, ouais. Ah, surtout lui. J'avoue. Elle fait demi-tour. D'accord, je note, même si j'aurais oublié d'ici là. Mais merci pour l'info, Kalia. Kaliaka. Du coup, t'as dit que Yohan venait le week-end prochain, c'est ça? Ouais. Aïe. Parce que là, il veut venir ce week-end, mais comme je vais à l'appareil manga demain, que après-demain, c'est l'anniversaire de Mel. Je lui ai dit là non, mauvaise idée. Timing, le timing est pas bon. Mais sinon je sais pas. Je l'entends, mais je sais pas où elle est. Ok, on va vers les escaliers que t'as montés là. Elle est en bas. Putain. Ouais, elle est restée en bas. Elle monte, je crois. Je suis pas sûr. Attends, t'as déjà commencé à te soigner justement. Elle a fait le sur. La croco est accrochée assez vite, mais là c'est assez lent. Mais comment elle m'a vu? Oh mais sérieux, les allonges qu'ils ont, mais faut arrêter à un moment donné. Faudrait juste un bouton win pour eux, ça serait plus simple, qu'on gagnerait du temps. Non mais sérieux, à un moment donné, tu fais bon. On va essayer de faire le gène dans la grande salle. Non mais c'est l'étape d'après, hein, je te dis. On est en train d'avancer tellement dans le fait d'avantager les tueurs qu'à un moment donné, t'auras un bouton sur le début de la game et ça sera écrit win. Oui, win. T'appuieras juste sur gagner et c'est bon. Raté Moru. Apprendre à viser. Salut. S'auto-sutiré. J'ai des frissons dans tous les sens, ça me fait un peu peur. Elle est à l'étage? Je vais la flasher. Non, elle est en bas. Ok. Elle est à côté des escaliers. Donc là, elle peut monter à tout moment. Je suis dans la merde. Attends, elle m'a même pas vu. T'es en train de faire de gêne à sa gauche. Elle est toujours en bas? Ouais, ouais, okay. Elle est en train de courser Tita. Ouais. Dis-moi si vous la voyez monter. Arrête de. Ah putain, j'ai vu raté. Elle va rappliquer à l'étage. Elle te poursuit toujours? Ouais. Fou courage. Je remonte, je vais remonter là. Ok. Ah, le même que t'es pas où t'es passé? Non. Ok. Je vais prendre la grosse chute. Ah, tu redescends direct? Ouais, elle m'a perdu. Elle est en bas. Ah oh. C'est ouf parce que... Gardez vos haches dans votre... J'avoue. Faut que je fasse un demi-gène, j'ai toujours pas réussi depuis le début là. Attends, on a presque fini notre là, c'est bon. On est à 80%. Ah. Un tout petit peu si vous pouvez. Ah, là j'avoue que c'est pas que moi qui décide. On était deux. Non, c'est pas grave. Merde, je me suis trompé de côté. Ah. Préparation d'ouverture de porte. J'ai mal. Allez. Thanos va-t-il prendre char demain?
Ah cher. Oh bah comme d'hab. Hein. Bon, c'est tout le temps en fait. Voilà, on change C'est pas les bonnes ouf habitudes. parce Hein. que j'ai un truc où je dois faire un demi-gène et j'ai juste fait les trois quarts d'un Oui demi-gène. Hey meuf, derrière toi. Vous êtes vers où? Je suis à côté d'une porte là. Mais bon bah elle m'a perdu. Ah! Ah Marco. Merde. Non mais t'es sérieux? Mais encore une fois elle me chope devant la sortie, t'es... Non mais sans déconner, c'est du foutage de gueule ça! Ok Mesto, t'es ouf. Oh, le putain de Ouais, je suis foutage pas de gueule, loin. sérieusement! Essaye de venir dans la grande salle comme ça on soigne et on pourra les démarquer. Ah bah je vais. Ah voilà, évidemment, putain, mais ça me Dans la grande tue. salle, en haut. Mais ça me Ah tue! bah tiens. Mais ça me tue! Ça me Fais gaffe, tue, y'a pas de franchement! Mais je pensais que je pouvais me faire taper, que c'était pas grave, tu vois, je suis à côté, c'est bon. Viens là, viens là, viens là. Hop. On va se cacher, on se cache. Non, t'as trop. Bon, vas-y. Je décroche Marc. T'as sur la réserve ou pas? Oui, moi aussi, je l'ai sur la réserve. Ok, Je vais bah le vas-y. décrocher, je vais là-bas. J'arrive, Marco! Fais gaffe, putain, t'es déjà blessé. Ouais, mais Merci. j'ai le. Go, 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 go! Passe devant. Passe devant. Je descends le truc sur ta gueule, tu sais. Ta-ta-ta-ta-da. Tu sais, on peut sauter, non? Oh, nous, on prend les Moi, je prends escaliers. les escaliers, je suis un gentleman. Attends, vas-y. Vas-y, normalement, ici c'est bon. Ouais. En théorie. J'ai un peu de points, s'il vous plaît. Fais gaffe, fais gaffe! Aïe! S'ils sont et on y va. Vas-y, cachez-vous. Hop, c'est bon. Alors, madame. Aïe! Elle m'a tapé! Laisse-toi mourir comme DBS? T'es un enculé, madame. J'étais en train de chercher. Non. Et toi, c'est qui a sauvé Mark Paul? Attends, le pire, c'est que je suis sûr que je vais pas pipe. Ah, si, c'est bon. J'ai pipe. Mais juste parce que j'ai fait tourner le tuyau, j'ai pas fait de gêne. Moi limite, hein, j'ai pipe, mais genre, fallait pas que j'en rate un. Hein. Ouais, moi j'ai fait double pipe. Putain, t'as fait 19 000 points quand même. Hein. Bah ouais, mais que de la j'en ai poursuite fait et du. J'ai fait 16 000, moi. Et j'ai failli double pipe. Putain, c'est fou, t'as failli double pipe avec moins de points que moi qui est à peine pipe une fois, tu vois. Des fois, tu dis le jeu est mal foutu, je dis pas que tu méritais Non, pas, c'est je dis qu'en juste que fait, le système de points est mal foutu, quoi. En fait, ça prend en compte que je me suis pas fait tomber. Pas tomber. Elle m'a, je l'ai perdu de vue beaucoup de fois. Enfin, elle m'a perdu de vue beaucoup de fois et j'ai fait beaucoup de gêne et j'ai décroché. On peut pas prendre le tueur quand on joue à plusieurs arrows. Si je devais faire une Enfin, suite à si, mais DBZ, faut être 5. bah je dirais va te faire foutre à la fin de Dragon Ball Z qui pue la merde et je reprendrai après l'arc-bout. Et je ferai un peu ce que je veux, c'est-à-dire que tu peux faire un. Je ferai un truc où je peux raconter genre dans 5 ans plus tard, donc tu aurais un Goten et Trunks qui aurait l'âge de Gohanado dans Cell. Tu fais avancer l'histoire au fur et à mesure, et à chaque fois, tu sais, ils font un peu ça. C'était un truc qui était une des forces de Toriyama, c'est qu'à chaque fois, il prenait le risque, entre guillemets, de faire une grosse ellipse de plusieurs années pour les persos, ce qui fait qu'il y avait une vraie évolution dans le rôle de chacun. Genre, bah, Vegeta, il est avec Bulma dans l'arc Cell, alors que bah, avant, non. T'as Gohan qui grandit, Goten et Trunks qui naissent, enfin, je trouvais ça intéressant, tout ce truc-là. Et je trouve vraiment dommage que aujourd'hui c'est plus ça, parce que comme on est obligé de raconter une histoire qui se déroule dans un laps de temps très restreint, et ben on fait que l'histoire là-dedans, quoi. Toriyama aurait dû dégager ce truc-là. Je comprends pas vraiment pourquoi il a décidé de garder la fin. Surtout qu'il a décanonisé la moitié des informations de Dragon Ball, hein, soyons clairs. La moitié des trucs de Oui, Dragon Ball oui. sont plus canons. Donc t'aurais pu enchaîner avec ça, c'était pas la mort, quoi, mais bon. Hélas. Mais en plus, la fin va avoir encore moins de sens que elle y est déjà, tu vois. J'ai 8676 viewers, tout à fait, Leto. Mais oui, je voulais faire une vidéo en fait sur Mario Party et pour changer un petit peu, faire comme les vraies pubs, tu vois, mais en mode allez, on fait une partie de Mario Party et puis tu vois les mecs ils se font chier quand ils jouent, tu sais. Genre, les mecs ils font la gueule à moitié et tout. Mario Party, le jeu qui reprend tous les anciens mini-jeux sans rajouter une dose de contenu. Oh putain, pas encore ce mini ninja là, ce mini ninja là, on l'a déjà fait. Toujours... Avec les mecs qui gueulent et tout à l'écran, je voulais faire ça, tu vois, mais il faut que je trouve quelqu'un pour participer avec moi, quoi.
Je suis plutôt végétaux de très loin, hein. Gogeta, je suis pas fan. Bah déjà, j'aime pas la tenue métamol, donc ça n'aide pas. Hein. La tenue métamol avec le délire du gilet de Les sauvetage. végétaux, c'est doté. Non mais le délire du gilet de sauvetage et de la et du pantalon pas de def, enfin pas de def, mais du pantalon hyper large blanc là, pff, bof quoi. Parce que c'est clairement un gilet de sauvetage qu'ils ont, soyons clairs. En fait, tu te rends compte quand tu réfléchis que Toriyama, il a pas beaucoup d'inspiration. Parce que quand tu regardes, il fait une tenue à bout. Et la tenue métamol ressemble quand même énormément à la tenue debout. Hein. Le gilet, enfin le gilet, oui, là, le gilet, le pantalon, c'est quasiment les mêmes. Tu sais, oh, comme par hasard, la fusion métamol, eh ben, c'est la même tenue que bout, presque, quoi. Et puis, pareil, il fait un SSJ3. Regarde la gueule de Goku en SSJ3, il a la même gueule bout. Genre le front en avant, pas de sourcils, c'est bou. C'est ouf, hein. Tu te dis vraiment là-dessus, c'est assez dingue, il n'y a pas d'inspiration. Toriyama, il a vraiment pas d'inspi quand il fait ses trucs. Hein. Je pense qu'ils continueront pas après l'ellipse de 10 ans. On verra, hein, mais ils sont déjà en train de faire assez de mal à Dragon Ball en ce moment. Et je dis ça alors que j'adore Dragon Ball et que j'aime bien Dragon Ball Super, mais. Ils avaient de l'or dans les mains et ils l'ont jeté aux orties. Donc après, qu'est-ce que tu veux? Tu crées 12 univers et tu te dis, bah si on s'en battait les couilles des 12 univers. Ah oh ouais, bonne idée, Toto. Les Prime Troopers. Oh, c'est pas la pire idée, hein. Ah non, mais moi, franchement, pour foutre fin à Moro, je voulais les Pride Troopers, très clairement. Ah mais pour que les Pride Troopers participent, faudrait déjà que ils soient concernés. Mais comme Moro, visiblement, il est coincé dans l'univers 7 et que nous, on est tous coincés dans l'univers 7, de toute façon, voilà. On n'aura jamais autre chose et c'est vraiment super dommage parce que t'as ouvert tellement de potentiel avec ces 12 univers et tu les exploites pas. C'est quand même Ah ultra oui. débile. C'est comme si tu arrivais dans One Piece et tu fais, ouais, alors Luffy veut être le roi des pirates et pour ça, il doit traverser toutes les mers, mais on va rester dans la baie devant chez lui. C'est plus marrant, tu vois. On va rester que sur Grand Line alors qu'il y a Voilà. Red Line et le Nouveau Monde. Voilà. C'est le tueur qui a mis Forêt Rouge. The Midnight Groove. Fait tomber une palette sur un tueur l'étourdit un instant. J'adore les trucs, les infos de merde Ouais. Un instant pour eux, c'est combien de temps? Parce que ça Ouais, fait c'est. Non, c'est un quart de seconde. Démolir une palette produit un fort bruit qui révèle votre position au tueur. Pourquoi on démolirait une palette? C'est le tueur qui démolit une Non, palette? c'est démolir une palette, faire opérer la position du Non, tueur, au non? tueur, c'est écrit. Votre position au tueur. Peut-être la faire tomber. Ah, d'accord. Les traductions qui doivent être tellement foireuses. Déjà que le jeu est foireux de base. Il est La bien, hein? maison de la chasseresse. Chouette. Mais bon, est-ce la pire map pour les survivants? Ah, tu trouves? Ah, c'est Ouais. la nurse. On est trois là. Ouais, j'ai le Après, truc, mais on j'ai mis fait un que les truc gènes. pour qu'on soit plusieurs. Ah, bravo! Je déteste la nurse. Elle est trop imprévisible, ce perso. Waouh! Elle a pas eu un Elle nerf? a fait un TP de l'enfer là. Ah, elle suit quelqu'un, mais c'est pas moi. Dernièrement, je crois qu'elle a eu un nerf. Putain, le combat d'Otis que j'ai fait avec elle, mais j'ai pas arrêté de me bloquer dans les. La réponse. Putain. Ah, il y a un copain d'autiste. Ah non, mais vraiment, ça a été un truc d'autiste là. Non, mais t'es sérieux? Ok, Ah, super. elle a le truc si elle porte quelqu'un. Non, mais sans déconner. Elle a le shot. Et elle porte quelqu'un quoi? Putain, et là, elle me porte à la place. Appelle le one shot. Et fuck. C'est cheaté ça. Ah bah oui, enfin c'est à 28 mètres. Putain, je suis dégoûté, sérieux. C'est que ça dure 30 ou 40 Vous secondes. auriez quand même pu valider. Enfin, vous auriez quand même pu l'aider. Aïe. Yeah. Feinte. Quoi? Mais c'est quoi ce coup? C'est quoi ce coup de 40 mètres? J'ai fait des dards au moment où elle a donné le coup, elle m'a quand même touché. Help me! Help me!
Elle nous arrive sur la gueule dans 10 secondes, elle est là. Même pas dans 5, n'oublie pas qu'elle était. C'est vrai, j'avais oublié qu'elle était complètement overshootée. Allez, je vais me cacher au milieu des casiers. Au milieu des 30 casiers. Voilà le pire futur. DBS super-héros fonctionne encore mieux que Broly, ce qui va faire revenir l'anime DBS en anime CGI qui marchera autant. Les studios se diront, mais pourquoi on se prend la tête, donc encore plus de CGI, et en 2030, tous les animes seront en CGI. C'est possible que ça soit... Honnêtement, c'est possible qu'il y ait un tournant comme ça. En tout cas, chez la Shueisha. Mais t'arrêtes pas là. One Piece en CGI, YOLO. Déjà, arrêtez. One Piece, il nous... Quoi ? Putain d'intimidé de merde. Attends. Le pire, c'est que c'est même pas un totem, putain. C'est quoi, intimidé ? En gros, quand elle porte quelqu'un, dans un rayon de 28 mètres autour d'elle, toutes les personnes vont... Le statut à découvert, donc son watchable. D'accord. Pendant 30 secondes. Putain, sérieux, 30 secondes quoi. Enfin, après, je sais pas si c'est 30 secondes, mais tu vois, par exemple, là, l'accrochage qu'elle a fait, j'ai toujours pas perdu mon intimidé. Putain. Et là, je le perds. Je crois que KK est venu te le libérer, te sauver déjà, donc j'y vais pas. Non, j'avais compris, Mados, que c'est pas ce que tu voulais. Hein. Enfin... Personne hein, qui va le sauver, non. Non, je peux pas le sauver, j'ai tué au cul. Putain, bon, j'y vais. Moi, je viens de finir le gène au cul. Fonce. Fonce, petit. Cours, petite fille. Cours. Bah, salut, Marco. Salut. Je passe devant, t'es un peu blessé. Ça va, allez. Sur la réserve. Oh, il est passé P2. P2. Pas de bol. Hein. Run, baby, run. Ah, mais putain, mais nique-toi, sérieux. Oh la meuf. Oh, fais chier, quoi. Non, merde. Putain, le STP au milieu de nu 3 et blam. Oh, sérieusement, quoi. C'était cadeau, Marco. C'était offert par la maison. Il joue encore autant qu'avant Mehdi Eliaram depuis la mise à jour qui a défoncé encore plus les survivants. Non. Ah, putain, ouais, c'est vrai que ils sont rangs et quand t'es rang tu peux plus régresser, du coup ils sont en game, on n'a plus rien à foutre quoi. Mmh. Ah mais c'est juste le plaisir de jouer, tu vois. C'est... Là je joue pas forcément pour passer rang 1. Et c'est juste que tu te dis bah y a plus la trappe. Tu peux plus vraiment jouer la trappe. Moi j'aimais bien, on jouait carte trappe, mais on le faisait jamais quasiment, tu vois. C'était... Mais quand on le faisait de temps en temps, c'était cool. Ouais, mais il y a plein de survivants. Mais tu sais, c'était la méta survivant. Ah ouais, on était en méta survivant, j'avais oublié ce détail. Bah ouais, là regarde, il y a déjà un mort, on est tous quasiment foutus. Ah bah tiens, regarde. Ça, Perlotte. Ah, je crois qu'elle est partie sur toi. Je me cache dans ma rangée de casiers encore. Et là qu'on vient de pas me dire qu'on est en méta survivant, je peux... Mais ça fait deux ans qu'on est... Enfin, depuis que j'ai commencé à jouer, limite, on n'est pas en méta survivant, quoi. Mais genre, vraiment... Après, quand tu vois les gros joueurs, si... Les gros joueurs sont en méta survivant. Non, mais quand tu joues avec quatre potes... Enfin, quand t'es quatre bons joueurs qui jouent ensemble, ouais. Mais sauf que ça représente pas que dalle dans le jeu, quoi. C'est clairement pas la majorité des joueurs, quoi. Non mais t'as les gros joueurs qui te kite le tueur mais pendant 107 ans. Hein. Ah y a plus de trappe. Enfin si y a la trappe mais que quand y a vraiment que un survivant. Mais comment tu sais que je suis là? Tu pouvais pas me voir. Attends, le team mort. Ok, bon j'arrive. De toute façon la game. Oh mais oh vas-y, des darts sur elle ça sert à rien. Mais non, c'est presque win là. Il reste quoi, 3 gènes? Aise. Allez, vas-y, Cassos. On va se séparer, on couvrira plus de terrain. J'ai mal. Ah putain, je me suis trompé de bouton. Je crois qu'elle me suit pas. Allez, je vais claquer ma boîte à outils, parce que de toute façon, elle va servir à rien de la game, sinon... Venir me sauver Marco ou pas? T'es suivi Dita? Non. Ok bah attends, j'ai fait 3/4. Non mais là je vais mourir en fait. Non. Regarde ma barre. Ah oh, tu fais chier, je vais crever avec toi en plus au final.
Voilà, devine qui arrive sur nous. On le balance. Oh, super, j'ai bien fait de venir t'aider, c'était génial. Mais quoi? Ah bah là, ça servait vachement de te sauver, hein, putain. Mais non, mais j'ai fait des darts sur elle, elle pouvait pas me toucher. Ah, ça va être dur de m'accrocher là, waouh. Putain, du coup, j'aurais pu faire un gêne en plus, tu fais chier. Je me suis trompé de bouton entre la flash et la... Elle m'a lâché. Elle m'a lâché parce que t'as lancé une flash. Ah là 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 là. Oh, elle va venir me reprendre, t'es sérieux? En fait, si c'était flash que je voulais faire. Et j'ai des larmes, voilà. Le skin du tueur est bon, ouais. Oh, tu veux me laisser? Non, tato. Elle va vous laisser survivre. J'ai pas l'impression là. Des points, je suppose. Aïe. Moi pour faire chier, je la laisserai pas me libérer. Je me débattrai pas. Quelle était l'utilité de celui d'avant? Juste gagner un peu de points. Ouais, je pense. T'étais juste un réservoir à points quoi. Caché, c'est caché, Tita. Attention, la partie de cache-cache a commencé et elle est déjà finie. Ça a été rapide. Ah mais en fait, tu peux pas, t'entends trop. Je veux que le skin du tueur est pas mal. Hop là. Moi j'aime bien le skin de Tita. Ouais, skin lapin. Skin lapin quoi. Par contre, je trouve ça vraiment violent parce que soit les tueurs on les déboîte, soit ils nous déboîtent. Quoi. Ah, pour la... ah ouais, mais regarde la rang 1, wesh. Rang 1 ? Ouais, ça me tue, sérieux. Je comprends pas. On a quoi ? On a que des rangs argent, des trucs argent, quoi. Eux, ils sont. Si on reprend les anciens niveaux, on doit être à peu près rang 15 et eux, ils sont rang 1, quoi. C'est hallucinant d'avoir ça. Et intimider, ce qui est violent, c'est que c'est quand t'es dans l'aura du tueur. Et j'ai vu un mec qui jouait un build à la con, qui faisait que quand il portait quelqu'un, il avait une aura gigantesque, donc il mettait intimider sur tout le monde. Et quand il était en chase, l'aura revenait de genre de 8 mètres. Donc son aura passait de 60 mètres à 8 mètres, quoi. C'est abusé. Ah, ce système de jeu! Moi, en plus, j'imagine qu'est-ce que ce serait si on était dans une méta tueur. Hein. On a de la chance d'être dans une méta survivant. Hein. Vous vous rendez pas compte. Hein. Ouais, non, mais là, c'est le matching qui nous baise. Ouais, aussi. Quand on regarde la Huntress, on l'a ruinée, la Huntress. J'avoue. Je prends ça. Allez, le cadeau. Voilà. Vas-y, t'as, j'ai 1 million de points. Faudrait un jour que je lance la game, je lance un truc juste pour, pour faire ça. Bon, du coup, ça sert plus à rien d'aller chercher les maps. Les cartes ne servent plus à rien. Donc, merci le jeu. Bon, les clés non plus, mais bon, je veux ça. C'est clairement maintenant useless. Ah, c'est vraiment triste, quoi. Je comprends pas l'intérêt. À un moment donné, il faudrait quand même qu'ils se disent que faudrait peut-être penser un petit peu aux survivants, tu vois. Augmente de 40% la précision de la lampe. Oh, je m'en bats les couilles tellement. Ah merde, je suis obligé de le prendre quand même. Non. Alors. Affinité. Si un autre survivant se tient à 16 mètres de vous pendant que camaraderie est activée, le chronomètre de crochet est mis en pause pendant 26 secondes. Ah ouais, c'est quand même, en plus c'est temporaire. Ouais, ça contre les tueurs qui tunnelent, qui campent, c'est génial ici, n'est-ce pas? Parce que du coup, bah, ils comprennent pas pourquoi est-ce que ton timer s'est arrêté. Mais du coup, est-ce que tu peux le refaire la même chose au bout de 26 secondes? Non. Ouais. C'est, en gros, tu passes, ça active camaraderie, et camaraderie, en fait, pendant 26 secondes, ton truc ne reste plus. Moi, j'aimerais trop qu'il rajoute un cinquième joueur, mais bon. Mais surtout que ce serait peut-être faire en sorte que les tueurs... Honnêtement, comme il y a un problème d'équilibrage...
faire en sorte que le tueur soit un peu plus pété et mettre un cinquième survivant, pourquoi pas? Parce que ça permettrait déjà d'avoir des parties qui se lancent plus vite pour les survivants. Parce que bah tu partiras à 5 au lieu de 4 quoi. Bah non, parce qu'en journée, ça manque de survivants, je crois. Ah. Bah qui change. Journée, 4 survivants, et après-midi, 5. Et soir, 5. Mais surtout qu'il y en a qui disent que à haut niveau, que les tueurs tunnelent le premier joueur, parce que le jeu est équilibré à 3 joueurs, à 3 survivants, mais pas à 4. D'accord. En gros, à 3 survivants, quand t'es en train d'en, quand t'en as mis un sur le crochet et que tu vas en chasser un, bah celui qui reste va décrocher, va soigner en attendant t'as raccroché l'autre. Donc tu fais une chaise en permanence en fait. D'accord. Un vibro de 13 cm, c'est beau. T'es pas très gourmand quand même. 13 cm, ouais. Ah bah Mitsu, il remonte carrément le parasite quoi. Je rajouterai des trucs comme ça sur la pêche. Allez, je vais chercher le cadeau de Noël. Allez, on va chercher les perks que j'ai pas. YOLO. Bon, je prends la clé parce qu'elle est sur le chemin, mais vraiment parce que je veux choper la perque de merde. Ah! Hop là. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Ah ouais, il y a plein de trucs là. Bon. Beaucoup de choses là. J'ai plein de conneries. Putain, mais par contre, j'ai rien récupéré pour ça. Bon, c'est pas grave, on va prendre juste ça. Voilà. Allez, c'est y part. Grave. On peut te donner le titan charrette si tu veux. Ouais, pas top. Hein. Quoique, tu me diras, quand on le voit à la fin, il passe de nul à chier à surpété. Hein. Parce que putain, il est quand même vachement balèze sur la... À la fin, Pic, elle te dit YOLO, mais en fait, je suis une vraie combattante et top, 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 top. Et c'est là que tu te dis. Pourquoi elle n'a pas participé au combat quand il y a eu à Shiganshina? C'est clair. Quand tu vois ce qu'elle est capable de faire à la fin, là, tu te dis, il y avait peut-être mieux à faire. Après, t'auras un petit peu tout niqué, tu vois. Tu peux tenir à perpète au lit. Bah, le problème, c'est que ça sert à rien, parce qu'elle n'a pas d'orifice. Attends, il y a un bruit chelou, là, sur le Discord, pour moi. Voilà. Oui, chelou. Ah, j'avais un bruit horrible. Quoi? Quasiment. Je l'avais aussi. Là, ça sert à rien, elle a pas d'orifice. Donc en fait, tu peux rien faire. Et puis en plus, en charrette, si jamais elle avait un orifice, je pense que tu pourrais rentrer intégralement dedans, tu vois. Si c'est proportionnel. Donc, tu sentirais pas grand-chose si tu décidais avec ton petit kiki de 13 cm en érection de pénétrer le titan charrette, je pense que ce serait pas super intéressant. Par contre, ce qui doit être chiant, c'est que comme elle a une régénération permanente, eh ben ça veut dire qu'à chaque aller-retour, l'hymen revient. Du coup, c'est chiant quand même, mais ça fait peut-être plus de sensations aussi. Là, ben, y a des choses auxquelles vous pensez pas, heureusement que je suis là pour y penser pour vous. Elle peut avoir l'endurance même en forme humaine? Bah non, regarde, il a pas la cuirasse en forme humaine, Rainer. Ils ont pas les pouvoirs de titan en forme normale, en théorie. Ah, le titan colossal avec son pénis. En plus, il doit être brûlant son pénis, quoi. Il fait l'éclipse solaire avec son pénis, le mec. Il fait ah, tiens, la nuit est tombée. Non, non, c'est le titan colossal qui est là, qui a une érection. Ah, d'accord. Alors, j'ai frisson. Putain, intervention maléfique. Putain, c'est l'épidémie, elle arrive dans mon dos, mais nique ta mère. Arrête de... Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais qu'est-ce que tu... Oh. Mais marre de jeu. Elle pique... Ouais, j'avoue, pique, c'est sympa. En fait, on dit souvent qu'Annie, elle a un bon boule en forme... Ah bah tiens. Je suis devant. On dit souvent que pique, elle a un bon boule en forme titan, mais... Pique, elle a un bon boule tout court. Attends. Ah, puis elle fait cliquer les gens quand elle fait tomber... La palette était bloquée. Mais oui, quand tu... Elle a mis du poison dessus. Elle a un truc pour... Et pareil, elle a mis du poison sur un des trucs, tu sais, où on saute, normalement, on jump dessus. Je crois qu'on pouvait pas sauter par-dessus. J'ai pas essayé parce que je voulais pas être touché, mais bon.
Putain, ça c'est encore le tueur qui a pris tous les trucs les plus pétés du monde. Ça commence bien cette game. Elle fait crier les gens. Attends, tu es en train de dire que je suis venu là et qu'il n'y a pas de gêne? Ah, quand même. Ah, il n'y a pas de gêne. Putain, il n'y a pas de gêne. Ah! Bonne nuit, c'est vous. Attention. Ah, oui, là, l'autre. Fais gaffe, elle est en haut. En fait, je crois qu'elle me cherche là. Je sais pas ce que je l'ai fait, mais j'ai fait. Elle va vers l'entrée de devant l'école là. J'arrive. Là, elle est devant l'école. Tu vas t'empoisonner en me touchant. Elle revient vers vous. Voilà. Attends, j'ai pas réussi à... Putain, mais les games elles vont durer. Les palettes sont toujours bloquées. C'est abusé. Mais là il y a un truc que je comprends pas. Ça y est, les palettes viennent de s'enlever. Elle revient. Vas-y. Je vais libérer Tita. L'autre passe en P2. Ah, elle a bloqué. Elle l'a bloqué. Et voilà, je dégobille à cause de toi, bravo. Oh, maintenant, en fait, elle a un add-on pour bloquer les palettes dès qu'elle vomit dessus. Ah ouais? C'est quoi ces trucs craqués et... Bon, attends, je vais réparer avec la boîte à outils, de toute façon, on va perdre. Mais. C'était bloqué dès le début, c'est-à-dire que. Elle a fait tomber personne. Ça s'est débloqué, la palette s'est débloquée, elle a vomi dessus, la palette s'est rebloquée. Normal. En fait, elle a un add-on pour rebloquer la palette. Bon, j'aurais fait au moins un gène dans cette game. On aura fait au moins un gène, donc on pourra dire qu'on aura réussi la game. Parce que maintenant, visiblement, l'objectif pour réussir à faire une belle game, c'est de réussir à faire un gène. Je veux bien, mais... Tita. Bien tenté. Rassure-toi, Marco. T'as vu, on était le décrochage. Ça m'énerve, ce genre de truc aussi. Oui, il était à 1%, même pas. Il était même pas à 1%, il était fini. Vous êtes tellement collé, sérieux, ça va être hardcore. Elle va faire la navette entre les deux trucs qui sont juste à côté. Non, on peut rien faire. Essaye de sauver mes sons en premier top. Bon, attends, je suis devant toi, donc je vais... J'y vais. J'ai pas été accroché une fois, donc je peux prendre des risques. Je t'entends dégueuler d'un blaire. Ah, merde, désolé. Voilà, pourquoi fallait me décrocher en premier. regarde ce que je prends. Oh, rien. Non, t'arrives devant moi et blaaaar, tu m'as dégueulé dessus. Ça va. Oh, je crois qu'on a chopé le Covid, les gars. je pense que je vais pas bien là. Vous aviez fait un test PCR. Putain la vache. Les bruitages, c'est ouf. Ah non. Ah. Ah, cette game elle est tellement perdue. C'est les effets du vaccin, la vache. C'est l'effet du Covid, mon gars, c'est normal. Ah là là, si seulement il y avait... Heureusement que les trucs sont loin, hein. Ah, la blague. Mais attends, sans déconner, le fait de bloquer les palais, je trouve ça beaucoup trop violent, en fait. Mais attends, à tous les coups, c'est encore une fois un rang 1 qu'on affronte, quoi. Ah, ça me troule, popotin. C'est ça, l'avenir. L'avenir, c'est des gens qui mutent et qui deviennent des monstres, et nous qui avons le Covid et qu'on se dégueule dessus mutuellement. Bah ça, c'est parce que, en fait, si tu veux, c'est parce qu'ils sont dans le turfu dans DBD. Mais le Covid, la version qu'on aura en 2022, elle fera des gobiers. Hein. Je te préviens. Ça va, Mesto? Et tu t'en fous, mouillé. Ah merci, Mesto. Merci, Samy. Bisous à toi. Non mais pas de soucis, fais ta game mec. Et le pire c'est que tout à l'heure il nous engueulait parce qu'on n'est pas venu le sauver en premier et lui pendant ce temps là il se branle dans un coin. J'avais pas vu, vous étiez... il y en avait un par terre et l'autre... Alors... Je crois qu'elle me cherche. Ouais, elle est autour de moi là, attention. Elle l'a récupéré, vas-y. Vomis bien dans la gueule. Cadeau. Merde. Ah, je prends... Ah, c'est bon.
Bon, de toute façon, je vais mourir, hein, soyons clairs. C'est une question de secondes avant ma mort, là. Ah, par contre, le matching va vraiment falloir qu'il le règle. Là, c'est vraiment violent et n'importe quoi. Oh, vas-y. Oh, ça me donne... Je vois rien du tout. Mon écran devient tout rouge. Attends, vu qu'on est à la fin, c'est quoi? On est à la fin, j'en ai marre d'être en train de dégoubiller mes trucs. Je voulais me cacher dans un casier, t'es pas gentil, maman. Ah, oh, sérieusement. Putain. Non, elle est plus belle que ma mère. Non, mais sans déconner, dépaille parce que tu tapes sur des red rank, quoi. C'est n'importe quoi. C'est pareil, y a pas d'équilibrage. Tu devrais avoir un bonus quand t'affrontes des gens trop forts. Même le jeu de foot auquel je joue actuellement, quand je me prends des tôles face à des équipes super fortes, j'ai un bonus, tu sais, genre bonus équipe trop forte. Ce qui fait que je perds pas des... Tu sais, si jamais tu enchaînes les défaites, tu sais, quand tu montes de division, si tu enchaînes les défaites, en théorie, les joueurs, les supporters sont pas super contents, mais quand tu perds contre des grandes équipes, ils font bon, c'est pas grave. Tu t'es suicidé, Martin ? Ouais. Ouais. Bah, j'ai laissé, disons que je me suis laissé mourir. J'apprécie le geste, hein. Attrape pas à côté de moi, hein. C'est pas trop simple. Le tueur est hérissé? Bien évidemment. Vers la droite, Mesto. Tu l'avais entendu, le truc, hein? Oui. Et là, elle va te choper pendant le timing, tu sais. Là, joue pas. On t'attend, là. Alors, je crois qu'il attendait le timer. Tu sais, il avait le timer, on le voit pas, nous. Le bosquet de minuit. Alors, attends. Du coup... Non, moi, ça saute toujours à la... Ah, à la tête. Je n'ai ni pipe, ni des pipes. Moi, j'ai failli presque pipe. Vas-y, le seum. À pile poil, par contre, moi. Et donc, on affronte encore une fois un rouge. Ouais, mais il est 4, lui. Il est pas 1, tu vois. Ça change non, tout. Il y a un rouge parce qu'il y avait un rouge avec nous. Ils ont mis un rouge. Ah, et tout à l'heure, il n'y avait pas de rouge avec nous, mais ils ont mis un rouge quand même contre nous. Ah, mais attends, mais le truc hyper violent avec elle. J'ai pas vu ses pouvoirs. C'est... Blessé en survivant, invoque l'entité pour bloquer les palettes dans un rayon de 32 mètres autour de la position du survivant pendant 15 secondes. 32 mètres, abusé, sérieux. Bah ouais, sauf qu'avec sa mère, du coup, on est toujours en train de se contaminer, on est toujours en train de bloquer toutes les palettes du monde. C'est abusé, sans déconner, mais pouf. Ah là là, la méta survivant. Oh là là, mon dieu, heureusement qu'on est en méta survivant. C'est n'importe quoi. Putain, je voulais faire une dernière game, mais je peux partir sur ça. Ouais, pareil. Ah, c'est chaud de finir sur ça. T'inquiète, on fera une game pire après. On va tous mourir dès le début. C'est genre, on va se taper tronçonneuse man, il va nous faire tomber tous les quatre dès le premier round, bam 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 bam, et voilà, perdu. Hachette one shot, tu sais. Voilà, hachette one shot, et il peut en avoir qu'une. Super, on est sauvés. Une erreur de survenue, yes. Merci, c'est beau. Ah. T'arrêtes par quoi? Non. Pourquoi? D'accord, je te vois plus en train de jouer. Ah, je dois avoir un bug, attends, je quitte. Il y a un problème dans ton... Alors attends. Demande. Invitez-moi, parce que vous êtes encore ensemble. Non, on n'est plus ensemble. Moi j'ai relancé. Ah, autant pour moi. Bon bah je vous réinvite alors. J'ai lancé le jeu. Bon, t'as pas besoin de m'inviter, moi je viens direct par le Steam. Ok. Ah bah connexion perdue. YOLO. Si le jeu, yes. Ah c'était save de niveau 2, j'ai pas fait gaffe, merci. Putain, j'ai pas eu l'info. J'ai pas vu l'info sur le truc. Comme par hasard, c'est au moment où j'actualise tout. A pris un abonnement de niveau 2. Ouais, merci, c'est super gentil, c'est beau. Alors, je rappelle, j'ai vu ça récemment, je l'en parlais au début de live, mais en fait, vous savez, on a tous entendu parler du pourcentage d'argent que récupère Twitch, et en fait, ce pourcentage n'est pas le même en fonction des niveaux d'abonnement que vous avez. Ça veut dire que, quand tu négocies un peu, bah, par exemple, tu vas récupérer 60% de ce que donnait avec l'abonnement niveau 1, tu vas récupérer 70% de ce qui est donné avec l'abonnement niveau 2, et tu vas récupérer 80% avec l'abonnement niveau 3.
Donc c'est Ah ouais. donc en théorie, si les gens veulent soutenir le streamer, le meilleur moyen de le faire, plutôt qu'offrir par exemple 3 abonnements, c'est d'offrir un abonnement niveau 3. C'est plus rentable. Ouais, c'est vrai, ça coûte le même prix pour la personne, mais c'est plus rentable. Bah, disons que Twitch aboie d'argent, quoi. Je pense, Mitsu, c'est parce que tu as pris l'abonnement avec Prime pour toi. Et je pense que le Prime, tu peux pas le upgrader. Je suis pas sûr. Hein. Je dis ça sans avoir vérifié, mais bon. Allez, je mets ready. Mais j'ai vu ça l'autre fois, tu sais, j'étais là et puis je radais un peu mes stats parce que j'étais content. Je fais ah là là, plus de 200 abonnés payants, tu vois, c'est cool. Là, attends, on est à combien? Parce que normalement, ça doit être affiché dans mon truc. Ah, merde, pas le bon truc. Merde. Bah, vas-y, écran encore. 207, tu vois, je fais ah, c'est cool, 207. Je voulais regarder un petit peu. Et je fais bah merde, en fait, je vois directement le ratio, quoi. Ah, tu viens de le faire avec ta prime. Ok, bah écoute, merci, c'est beau. Du coup, je me demande comment ça se passe avec un Prime plus un abonnement niveau 2. Mon but, c'est pas de te soutenir, mais de faire perdre de l'argent à Twitch. Ah, bah si tu veux faire perdre de l'argent à Twitch, il y a mon compte PayPal. Si tu veux. Comme ça, il touche 0 euro. Vas-y, mets directement sur PayPal, c'est plus simple. Tintintin. Ah, bah oui, dans l'idée. Je crois que c'est Mesto qui est pas prêt. J'étais prêt. Ouais, mais tu sais, le jeu, il est tellement bien codé. C'est quand qu'il sort Elden Ring? Parce que j'ai pas les. Comme c'est pas vraiment mon style de jeu de base, je suis pas trop renseigné dessus. J'ai juste vu les images en faisant waouh, quand même, c'est stylé. Mais je parle 25 février. Ah, ok, d'accord. Donc j'ai le temps d'aller me rendormir un peu, quoi. Pour le coup, je paye normalement, mais il me propose pas. Mais à mon avis, tu sur tel, t'as moins d'options que sur PC. Ouais, je pense aussi, Mitsu. Je pense aussi. Sur téléphone, je peux pas me réabonner en Prime. Ah. Je suis obligé d'être sur mon PC pour faire ça, je trouve ça débile en fait, ça me casse les couilles. Parce que des fois avant de me coucher, je vais vite fait sur le live, je vois que je suis pas réabonné, du coup je me tape une pub. Et vu que je suis pas sur le PC, je peux pas me réabonner non plus. C'est quand même mal foutu, hein. Tu te dis quand même, Prime, c'est quand même Amazon. Enfin, Twitch, c'est quand même Amazon. Tu te dis, ils ont un peu les moyens de faire en sorte que le truc soit codé correctement. C'est ouf, surtout que l'application téléphone, elle n'existe pas depuis 3 semaines, quoi. Ça fait des mois et des mois, voire des années. Je sais pas depuis combien de temps ils l'ont créé, mais il y avait moyen de faire quelque chose de cohérent ensemble, tu vois. Mais par contre, je peux m'abonner en payant, hein, mais c'est juste l'abonnement Oui, gratuit, bon, je peux pas enfin, c'est con, l'utiliser. autant profiter. Alors j'ai regardé en fait pour profiter d'un ratio meilleur actuellement, parce que tu sais comme l'abonnement est passé de 5 à 4 euros, pour les gens pour qui c'est un peu la galère de passer de 5 à 4 euros en fait, tu as un ratio un peu plus important si tu fais 60 heures de stream par mois. Si tu tapes les 60 heures, et ben tu gardes l'ancien, enfin c'est comme si c'était encore des abonnements à 5 euros. T'es genre avant en Bah, fait tu tu les prends filais, des voilà, points. ouais je l'ai fait, ça va. Mais là, ce mois-ci, il y a un bug visiblement parce qu'il m'a compté que 2 heures de live cette semaine et j'ai fait non. Enfin, ce mois-ci, j'ai fait non. On n'est pas à 2 heures, les gars. Bon, ça fait 2 heures par jour, tu fais largement plus, quoi. Ouais, en général, c'est entre 2 et 3 heures et puis le live Among Us, en général, va taper plus haut encore. Bon, putain, j'ai regardé un peu le live Among Us la semaine dernière, ça m'a trop fait marrer avec Naria? Naria. Putain. C'était tellement prévisible en fait. Quand c'est Ouais. arrivé, c'était écrit quoi. Non, mais le mec, c'est quand même malin, le Giroud, là, ou le Jigsaw, Ouais, qu'il a fait, quoi. Giru, ouais. Ouais. Giroud, d'avoir fait ça, c'est bien joué de sa Ah part, bah hein. moi j'ai essayé de le faire la game d'après, mais je suis mort avant d'avoir le temps de sidekick à quelqu'un. Mais ouais, il a bien attendu et tout, ça a été malin. Le mois prochain, on prend un niveau 3 pour troll Twitch. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas moi qui vais dire non. Allez, attends, on va prendre la boîte à outils d'Alex. Parce que Alex, qui nom de famille Crément, hein, au fait. Avec son frère Alain. Alain Crément? Ah ouais, Non, d'accord. non, pas rien vraiment. C'est moins drôle qu'Alex Crément, quoi. Alors, attends. Et ton truc la semaine prochaine, tu veux faire ça le soir ou l'après-midi avec Johan?
Bah, je pense qu'il va venir l'après-midi, je pense. Pourquoi tu voudrais participer aussi? Ça pourrait être marrant, tu me diras. Ouais, on verra ça. De toute façon, j'en aurai avec femme et enfant, je pense. Tintin. Prêt à mettre 1000 heures à Elden Ring en 2 jours? Ah, pour Bitsu, ouais. Parce que, ouais. J'ai rien contre ce genre de jeu, mais c'est pas. Enfin. Je veux dire, autant des jeux comme Resident Evil, vraiment, j'ai du mal avec ces jeux-là. Je sais qu'Elder Ring, c'est pas ma came de base, mais je sais que je vais quand même l'apprécier, quoi. Ça va être le même style que les Dark Souls, on est d'accord? Si je dis pas de bêtises. Aucune idée. Enfin, ça sera pas comme les Dark Souls, mais ça sera un jeu où on va bien vomir du sang, tu vois. Franchement, ça donne envie quand même. Je veux dire, pour avoir vu 2-3 trucs, ça donne envie. Moi, j'ai préféré Bloodborne à Dark Souls, perso, des deux jeux. Bloodborne, c'est la première exclusivité PS4, je trouve, qui valait la peine. Il n'y avait pas beaucoup d'exclus sur PS4, surtout au début. Et je trouve que Bloodborne, c'est vraiment la première exclu. Et puis en plus, ça m'a rappelé mes souvenirs de WoW, tu sais. Genre, quand tu tente de buter un boss 15-20 fois et que tu arrives à 25 ou à 30e et tu fais oh putain! Enfin! Alors que quand tu joues à Mario et que t'affrontes Bowser, limite premier try, tu tombes tous les boss, t'as pas un game over. On est tous réunis? Partouze! Youhou! What? Vous êtes tous réunis, je suppose. Bah, les meilleurs. Ah bah super, bravo! J'aurais préféré. Vas-y, dégage, Mesto. T'es pas l'élite, hein. Non, mais j'ai eu un bug du jeu. Ouais, bug du jeu, mon cul, ouais. Ah oui, j'ai eu. Oh non, c'est la harpie. Oh, génial. Je surveille si la nana à droite bouge pas. Ah, c'est qu'elle arrive là-bas. En fait, je rate par rapport à où elle est pour me cacher. Qu'est-ce que vous foutez là encore? Barrez-vous! T'es marrant, toi, nous, on est quoi? On peut pas se barrer? On est coincé de ce côté-là? Elle m'a vu! Mais comment ça, elle m'a touché, cette morue? Vous avez qu'à venir, mais va te faire foutre, c'est toi qui as raté le truc, c'est ta faute si elle est venue nous voir. Tout est ta faute, mec. Tout est ta faute, là-dessus, on n'a rien fait, nous. On était là, on faisait le gène tranquillou, t'es arrivé, tu t'es chié dessus, tu l'as... Putain. Franchement, fuck. Oh, allez, je me casse, je vais ailleurs, vas-y. Vous aviez le temps de vous barrer. Mais on savait pas de quel côté on allait aller, on n'allait pas prendre le risque, autant te laisser crever avant, quoi. Bande de bâtards. Mais du coup, elle est après quelqu'un là où on l'a tué? Je crois pas. Elle m'a tapé et puis j'ai eu le temps de me barrer avant qu'elle me suive. Je pense qu'elle est pas très douée. Hein. Le premier open world à la Soul From Soul. Ouais. Non mais j'ai hâte de voir ça. Mais ça sera un open world. Est-ce qu'on pourra jouer en ligne ensemble? Genre, je sais que dans Bloodborne, on pouvait un peu, quoi. Parce que ça pourrait être sympa en live, tu vois. On arrive à 4 et puis on se fait un boss. Parce que là, déjà, le jeu m'intéresserait plus à plusieurs. De toute façon, moi, les jeux à plusieurs, je préfère. Jouer tout seul, c'est un peu embêtant. Je préfère quand il y a un partenaire. Ou une. Ah, j'ai entendu quelqu'un crier. J'ai failli rater. Coquin. Elle est à l'opposé de moi. Je vais dans la maison si tu veux du soin. Ah bah je suis quasiment fini mon gène, donc je vais quand même le finir avant de partir. Du coup ça va la faire venir, mais bon c'est pas grave. Attention. Voilà. Elle est occupée, je crois. Coup, j'arrive dans la maison. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est partie sur quelqu'un, mais c'est pas nous. Vers moi. Ah, Dark Souls, on pouvait déjà jouer à 4, je me rappelle pas. Alors, je suis dans la maison. Je suis à l'étage. Ok, j'arrive. Si tu trouves un totem enflammé au passage. Ah, je crois qu'elle veut farmer. Si elle veut farmer, faut pas faire ruine alors. Faut pas faire dernier gen. Ah, vous êtes dehors. Hop.
Ah bravo. J'ai pas là maintenant le course donc. Tu peux en invoquant avec des conditions particulières, d'accord. Bloodborne c'était 3, c'était vraiment trop bien. Moi j'ai vraiment adoré Bloodborne honnêtement. Bon, à partir du moment où tu avais les mobs qui repopaient en boucle, là j'ai commencé à un peu pleurer ma race. Parce que j'avoue que tu fais des mobs et puis tu peux même pas commencer à peut-être te déplacer sur le côté et tout pour les esquiver. Parce que si tu te déplaces trop en arrière, tu amènes le deuxième pack de mobs. C'était un peu hardcore. On aime se faire rouler dessus. Ouais. Je connais d'autres. Je me demande si je peux crafter plusieurs grenades aveuglantes. En même temps, t'es genre, je peux en poser 3 par terre à un endroit, tu vois. Vous êtes bizarre. Elle est où? Elle est à l'opposé. Tu pars, mais je me retiens. Bah, elle est AFK ou quoi? On est d'accord, là, on pouvait passer. Passer où? Hop. Ouais. Non, je garde mal la mienne, t'es gentil, mais bon. Bon bah on finit sur une game free, j'ai l'impression hein. Non, non. Bon bah game free hein. Non c'est game freaks. Non me parle pas de cette boîte. Oh, oh, ah, attention, le réveil de la tueuse. Alors j'ouvre à... Putain par contre si elle a ça. Donc là faut qu'on... On est d'accord, faut qu'on détruise le totem quoi. Oh bah c'est bon, on est à côté, tu peux y aller hein. Non attends, ça se fait pas. Tu crois qu'elle va l'accrocher? Je vois même pas où est l'autre. Non, elle doit avoir le truc qui empêche de voir l'aura. Elle est à l'autre bout. Elle est à l'autre bout de la main. Ah non, on la voit. Elle cavale vers nous là. J'ouvre ou pas alors? Oui. Attends, elle cavale vers nous? Non, même pas. Elle est en train de taper des trucs là. Et des machins. Non, j'ai l'impression qu'elle se masturbe autour de lui. Elle plante des petites graines. Elle est à côté ? Elle est loin de nous, hein. Très loin. Bah, elle est à côté de lui, elle est à côté de lui. Oui, c'est ça que tu veux. Essaye de voir s'il n'y a pas le totem enflammé par là, là. Je la vois plus, par contre, elle n'est plus dans l'aura. J'espère que je vais pas la croiser en me baladant. Elle était à côté de moi à un moment donné et elle est partie là, je vous le dis, donc je sais pas où elle est. Eh ben écoute, là c'est Kenna, j'ai pas encore fini Kenna et là je me suis remis dessus. Waouh, c'est dur de récupérer les automatismes. Honnêtement, Kenna est vraiment très dur. On dirait pas parce que c'est pas un jeu qui fait. Tu sais, normalement les Bloodborne et tout, c'est un peu des jeux horrifiques. Tu sens que le truc est fait pour des gens qui ont des. Qui ont des poils au menton, mais bon. Ouais. Du coup, vous avez pas trouvé le gène? Enfin, vous avez trouvé le. Oh, Amsterdam! Madame, c'est mauvaise. Vas-y, on court à la porte. Ouvre la porte, Marco! Attends, vous êtes à la porte là? Ok, je suis à côté de vous. Non. La palette. Putain. Vas-y, on ramasse la palette. Hein. Moi, ça. Attends, je vais ouvrir la porte, tu vas pouvoir sortir. Elle va le suivre. Non? Elle me ramasse. Vas-y. Elle a un crochet, de toute manière, elle va devoir accrocher ici. Ok, c'est bon. Yes. Run! Faut vraiment être une sous-merde pour se dire je vais jouer avec personne qui échappe à la mort au dernier moment. Quoi. Grave. Surtout qu'elle a vraiment joué nul, joué pas terrible avant quoi. Ouais c'est ça, c'est juste je vais faire un petit gauche-droite qui fait plaisir. Et fait du sel.
Et voilà, encore une fois, donc c'est-à-dire que là, ce soir-là, j'ai perdu deux pipes, et là, j'ai fait zéro parce que tu as une merde. J'ai pipe, parce que j'ai fait tout, en fait. Moi, comme je suis un dieu vivant, j'ai pipe, évidemment. Mais... non, j'ai rien foutu, honnêtement. L'autre connard, et j'ai pipe. Là, en train de galérer. 12 000 points. Ah, le Rouskov, là, il a 9 000. Hein. Pas terrible. Hein. Ah bah, c'est un consoleux, c'est pour ça qu'il est nul, hein, Mitsu. Oh, ça aurait été trop bon qu'elle le touche et qu'elle meure à cause de ça. Mais tellement. Oh là là, le dédard de fin, c'est moins drôle, franchement, c'est moins drôle. T'es dur, hein, je retire ce que je viens de dire. Et ouais, c'est comme ça. Hop là, attends, on revient à l'affichage. Eh hey, 207 207 joli, joli. 207 quoi ? Sub ? Ouais. Ça va. Ça commence à être joli comme nombre. Je me demande s'ils affichent le nombre d'abonnés ou s'ils affichent aussi par rapport au niveau. Parce que je sais que j'ai un affichage qui me permet de voir le nombre de gens. Et genre, si j'ai 100 abonnés et que j'en ai un niveau 2, ça sera écrit 101, tu vois. Je me demande si ça, ça prend en compte ou pas. Faudrait que je vérifie. PC Master Race, c'est tout. On est d'accord, Leto. On est d'accord. Bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. C'était plutôt pas mal, donc on va pas se plaindre. Hein. Demain, je verrai, je dirai sur Discord, mais je pense que je viendrai vers 17h, 17h30, et je repartirai vers 19h. Donc, voilà, je vais venir troll demain quand on se verra, tu vas voir. Et déjà, Mados, j'attends. Mados, il a acheté des BD, il a jamais joué avec nous. J'espérais que Mados, il décide d'essayer aujourd'hui avec nous, hein. Finalement, non. Un peu de courage, il a... Mados. C'est le problème quand on n'a pas de couilles. Tapette. Grosse merde. Grosse merde. Impuissant. Voilà. Pardon, j'ai eu une quinte de tout. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. On reviendra demain pour Amonjus. Et puis aussi, je vous dis normalement la vidéo sur GTA qui sortira. Et puis, bah, ça suffit. C'est déjà bien, hein, merde. Allez, gros bisous à tous et puis à demain. Ciao.